No. en rendant hommage à tous les gens qui ont grâce à ah, je pense qu'on est pour euh, un peu quand même on, on, on est euh, qui ont permis à Dwalipod de remplir deux fois Wembley Stadium cet automne. Je voulais plutôt euh, rendre hommage à Marc-Étienne Mongrin, c'est lui qui a pris la photo de deux princes, ah, le oui. visuel de deux princes. C'est C'est ben, pas pareil, mais c'est tout aussi valeureux. Euh, c'est un grand photographe, c'était le meilleur fait. photographe au Québec. Et il a, a publié un livre. Oui, fallait être là, fallait être là, fallait être là. C'est disponible en librairie. ma librairie. Chez euh, K.O. Édition. Les photos c est, c est sont partout. C'est spectaculaire. Ouais, c'est vraiment, des, vraiment, euh, vraiment joli. C'est des portraits beaucoup. C'est beaucoup de portraits puis de, de photos de backstage, on pourrait dire, ouais. ou de répétition. Mais en tout cas, c'est un peu les coulisses mm -hmm. du Et show. C'est extraordinaire. Non, c'est vraiment beau. Puis je trouve qu'il capte, pour connaître certains des artistes euh, euh, de, qui ont photographié, je trouve qu'il qu capte en fait des moments. Euh, de vulnérabilité, ou en tout cas des moments... Euh, Mais il y a tellement de talent sur fragile. où ou je oui. l'ai À l'époque, à part la pandémie, il y a des shows dans les parcs, puis je l'ai croisé par hasard au parc Père Marquette. Puis il m'a dit ah, « tu t'es là! Je vais te prendre en photo. » Il, il m'a pris en photo, et c'est devenu la photo de mon show. Grand, grand, grand photographe. photographe. a publié un livre chez Kao édition oui. intitulé « Fallait être là oui. ». Disponible dans toutes les librairies. Tout. On recommande toujours l'achat de livres dans des librairies indépendantes, si, parce que ça juste... aide. Non, non, pour vrai, ça aide. Euh, ensuite, c'est des photos en fait captées sur le vif euh, et même des portraits de grands artistes, euh, surtout musiciens, hein, néanmoins. Moi, mm -hmm. ouais, c'est des chansons. ta Claude Pelgak, Philippe Braque Les, euh, Les oui. Euh, oui, Safia Nolin, Luc Plamondon. L'Aud, il y a une superbe photo de Loud Il y a l'Aud, il y a Robert Charlebois. En tout cas, si vous voulez voir ces artistes-là dans des moments... Hubert Lenoir, ah ouais, il y a une belle photo de Loud avec Corias. On dirait en tout cas. Oui. Euh, C'est euh, un livre exceptionnel p à consulter pour être inspiré. Ouais, oui. Oui. C'est bien dit à consulter pour être inspiré. Voilà. marc on s'est repris. On s'est repris. Puis bravo à tout le monde, encore une fois, quand même, pour Doualipa. Ouais. Je pense que ça a été un effort collectif, puis on mérite tous une main d'applaudissement. Bravo. C'est grâce à nous. Il y a un peu de nous là-dedans. Ouais. On a milité. Ça n'a pas rapport, mais je veux compter une anecdote. Il m'a raconté il y a plusieurs années. Est-ce que, que ça je... concerne Doualipa? Non, je pense que c'est un peu mieux. Oh. ça concerne le ballet et la prison. Je préfère Doualipa. Tu sais qu'elle est allée au Bigold Saint-Viateur, on peut je... parler de ça pendant un bout de temps. Ça serait génial prêt. que non. Man. Pourquoi Parce que c'est pénible. C'est juste une, une, une pop star qui fait les affaires. C'est pas juste une pop star. Qui fait les affaires Non, c'est Vénus venue du ciel. En fait, c'est aujourd'hui on... ça serait Botticelli qui, a... qui, qui qui ferait son portrait. All right. Ben, là, c'est le fun des conversations. Non, mais on va où avec ça? Parlons X. de Doua Lipa. Euh... Non! OK. C'est quoi son nom? D'où il vient, est son Dua, nom? Ben, c'est albanais. Oui, ça veut dire... Doua, ça veut dire « j'aime Philippe ». Et Lipa... <laughs> <laughs> c'est sucé! <laughs> non, pourquoi t'as tué? J'ai rien de tué. Non, c'est déjà mort. Ça fait longtemps que c'est mort. J'ai ta... donné un coup sur à un cadavre. Lipa, ça veut dire « contre vents et marées ». C'est ça que ça veut dire. Fait que son nom français, de ce que je comprends, ça veut dire... J'aime Philippe Audrey contre vents et Marées. Il n'y a pas de vent et de marée. Il n'y a, hein? a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'empêche. Puis elle le fait pas. Le, le, non, 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 non. Je suis ben très disponible à elle. Ça dépend. Mm. Ça dépend. Parce que ça ne veut pas dire que je ne choquerai pas. Ah, oh, mais doi, ça veut dire love en uh, Arménien. amour. Yo, en Arménien Pas en Arménien, en Arménien. Est-ce que Julien en Arménien Non, j'ai dit ça. So, ça veut dire love en Arménien Mais avant, <laughs> il faut chicaner Julien. <laughs> hein? An Julien n'a pas <laughs> le même professionnalisme à couple ouverte par deux princes à couple ouverte il porte des écouteurs ouais. il écoute il s'ajuste par deux princes il s'entorche il s'en fout il mange mais c'est pas vrai ça c'est parce que quand que je parle je peux pas avoir des écouteurs pourquoi tu peux pas parce que je m'entends en double sinon je peux pas capable de faire une phrase hey, très là dessus très sur ah le... oh, mais c'est tough je comprends, je comprends. Allez, ah je google en plus des affaires euh, real-time, puis là, je me fais chier dessus. Je, je... sais, c'était... Pauvre Julien. On mais Doit, Je tu donne mon 100, 100%. Mais oui, 100%. ça veut dire amour, dans le fond, en arménien? Ouais, mais Lipa, ça, je pense ça ne veut pas rien dire. Non, mais ça veut dire Philippe. Peut-être lèpre? L'amour de non, la lèpre. Phil... Peut-être lipa c'est l'amour de la lèpre. Non, parce que... dans tu remarqué que dans Lipa, il dans... y, y a beaucoup de lettres de Philippe? Deux. Ouais. Trois. 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 C'est beaucoup. C'est beaucoup. <laughs> Fait que ouais. je pense qu'on a la, la fin du mystère. C'est réglé. Il n'y a pas aucun mystère. Il y a beaucoup de mystères. Okay. Oh, ah, Lipa, c'est son nom de famille. Ben oui. Fait qu'elle aime son nom de famille. C'est ça. C'est Amo, bon Amo. Elle a ajouté Doua. Du, euh, non, c'est son prénom, Doua. Elle vient d'une famille C'est Ben, c'est Doukhajin. Hein? Jin son vrai prénom. Douka Duka. Oh, tu pas son prénom. JJ. Oui, oui. T'as l'air d'un gars qui vient de l'apprendre. T'as l'air d'un gars qui vient de l'apprendre, Phil. C'est comme les gars qui s'appellent Alyosha. Tu sais, c'est Alexei. Tu sais, c'est pas. la même affaire. En russe, c'est pas les mêmes lettres, là. Hein? C'est quoi ton point? De quoi c'est la même chose? C'est probablement que Dua, puis mettons, c'est l'équivalent pour Duka de Aliosha. Oui, oui, il Mais c'est <laughs> une hypothèse, tu sais pas. Mais c'est pour ça que je veux la rencontrer. Mais tu sais pas, tu c'est de même. Mais non, tu mais c'est pour pas. ça que je veux oh, la rencontrer. Oui, c'est une même, ça. jusque la... les mais... Russes sont de même, l'albanais, on tu sait mais... pas. C'est pour ça que je veux la rencontrer pour y poser ce genre de questions-là. Je sais pas que t'as tort. Je dis juste que c'est une hypothèse. Oui, mais je veux poser ces questions-là, simplement. Ton simplement, nom. Simplement, c'est quoi ton nom? Ouais. Explique-moi ton nom. Explique-moi hey, ton nom. Elle va triper. Ouais. D'où il vient, tu sais, toi, c'est l'esthétique traître, là. Tu sais, ouais. Qui qu croit personne. Ouais, c'est ouais, ça ouais, c'est ça, ça ouais. dans, Chez Parfait. les apôtres, c'est ça. C'est pas un traître. C'est Judas, traître. quand même un, un assaut, mais Il n'a a pas une bonne, euh, pas une bonne réputation. Non. Mais pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas l'éducation, c'est celui, qu celui qui ne veut pas croire tant qu'il ne verra pas. Ah, ouais, hop mais hop. un autre point en commun avec Doua Lipa, elle s'est faite niaiser dans son, dans son enfance à cause de son nom. Bon. Puis après ça, vers l'âge de 14 ans, elle a commencé à l'enjoyer puis à le. C'est plus long pour moi, ouais. mais euh, tu vois, un autre point. Elle a été intimidée, Doua? Hein? Ben, c'est qu'elle Typical nature was caused for distaste in her youth. » Pour vrai, je pense le, que c'est le, 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 le meilleur ou de ou princes, des de deux princes. Julien qui lit la page <laughs> Wikipédia de Dua <laughs> En anglais. Ouais, en anglais. <laughs> en anglais. Après, OK, aujourd'hui, Julien, à chaque fois que tu prends la parole, c'est en anglais <laughs> ou en espagnol? Ah, sûr. Ça, je mais j'ai un an d'espagnol à l'intérieur. Yo, on t'écoute? Voilà. Je connais ochocientos. Je pense que ça veut dire 180. Oui, oui, dis ça. Génial. Quand je quelqu'un. Attends, j'ai de <laughs> quoi pour toi? On va revenir à l'anecdote. Hier, je suis au restaurant à Rodis 30, avec tes gars préférés. Et c'était on n'a plus rien à se dire. On est tout le temps ensemble. Fait qu'on écoute les tables des autres. Et il y avait deux hommes d'affaires qui se parlaient. Yeah. En buvant le tequila. OK. Il y a un homme d'affaires qui a dit à l'autre C'est-tu es -tu arrivé? Tu devais investir dans quelque chose, mais tu n'avais pas le cash. Le gars, le gars dit. Trop souvent. Puis <laughs> je les admets, ces deux gars-là. Ah, on dirait une espèce de mauvaise réplique de Glenn Gary, Glenn Ross, genre poche. Ouais, Moi, je trouve pas ça, poche. Ben, c'est Ouais, c'est un genre de. Ouais, ouais. T'as ouais. pas aimé ça? Ben, c'est cliché un peu. Puis, pareil. Tu T'sais, j, j, genre, j'aurais préféré qu'il y ait une petite twist du style. Mais t'as, dis-le, là. C'est déjà arrivé euh, que tu as besoin d'investir dans quelque chose, mais tu pas l'argent. Y a il une autre façon d'investir? Ah! Ah! C'est meilleur, t'as raison. Ben oui. T'as raison, ben, t'as raison. Oh shit! T'as raison, ah. t'as raison. T'as mis ça à un autre niveau. T'as mis ça à un autre niveau. Oui. L'anecdote dont je voulais te parler. Bon. Ça concerne le ballet canadien et la prison. Euh... Ok, c'est deux sphères quand même éloignées, a priori. Je sais, c'est génial. Sauf! Sur, chez certains, peut-être. tu euh... vas comprendre, c'est génial. <laughs> il y a un. Longtemps, il y a un couple euh, dans le Ballet ben, Canadien Ils se sont rencontrés là. Il y a une famille. Okay. J'étais chez eux. Une, une courte anecdote. Puis une fois, ils ont. Ben, et, et, elle est ballerine. Ceux qui m'ont les, les, les anecdotes, c'est deux, deux ballerins. Un ballerin, une ballerine. Okay. Ils sont tombés en amour. Ils ont fondé une famille. Il doit être en shape, ce monde-là. Oui. Ah, ouais. C'est ça, hein. Il ne faut pas être ouais. ami avec ce monde-là. Ils sont trop en shape, ça te met mal pas oh. à piscine avec eux. Ok, c'est des gens vraiment gentils et doux. Puis ouais, non mais va pas à piscine. Puis en plus ils sont dans un milieu culturel, ils ouais. sont respectés puis admirés de ils sont, tous. Ils sont trop en shape. D'accord. C'est ok. <laughs> ça ça, ça, ça c'est dit. Ça c'est dit on peut pas aller voir à la piscine avec ces deux personnes. Non. J'aime que. C'est une option. Non. De moi je vais au McDonald le matin. C'est là mon bassin d'amis, mon vivier d'amis. Ce qui est cool de McDonald, c'est Morton, -Morton <laughs> c'est différent. Tim Horton. Ah, non, 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 le meilleur, c'est le Tim Horton. Ah, oh, le Tim Horton à 2h l'après-midi. À, à ouais. Les grands débats de société. C'est pour dire. Il explique, le monsieur il explique, qu'il y a un corpeau dans une prison. C'est lui qui Le a ballet dans. Oui. <rire> oui. <rire> <rire> okay. on, on se peignait des, des mauvais corpos. Il y avait jamais déjà vécu un. C'était dans une prison. Fait il danse avec sa partenaire de danse. Le ballet. Oui. Et en plein milieu de performance, il y a un prisonnier mal qui a crié Four là! Et les deux sont regardés, les deux danseurs, qui ont fait Ouais, je comprends. Pourquoi? Puis peut-être c'était un peu agace aller deux belles personnes danser. Peut-être le gars n'a pas vu une femme depuis 11 ans. Puis là, il voit deux beaux ballerins danser sensuellement. Puis voilà, ça c'est mon anecdote des ballets canadiens. C'est une belle anecdote, es c'est pas d'accord? Oui, oui. Ben oui. C'est extraordinaire. Mais je suis un peu vexé par pour... la réaction du gars pour une fois qu'il a accès au ballet en prison. <laughs> Peux-tu, s'il te plaît, apprécier? Oui, mais je pense pas qu'il était dans ce... Je pense pas qu'il était dans cet esprit-là, Phil. Non, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit respect quand même là, pour l'institution. Ils l'ont bien... Crifourlant, <laughs> tu sais, t'aurais pu... Probablement, il aurait pu dire autre chose. Comment? Qu'est-ce euh... qu pu... qu qu'il aurait pu dire, Phil? Bravo. Bravo. Oui. Tu sais, C'est pas le même message « bravo ». Et four là. Mais c'était quoi son objectif à ce gars-là? Voir un coet devant, devant lui. C'était son objectif. pensais-tu vraiment que ça allait arriver, tu penses? À mon avis, il s'est dit. les, les Moi, chances moi sont franchement, prêts... je, les gardiens de prison, comme quand ils voient des Parce que ça doit pas être. Qui a eu l'idée premièrement de faire venir les ballets canadiens en prison? Ça, un génie. Oui. Un génie. Mais je pense que le spectacle était meilleur depuis la scène que depuis la salle. Parce que mmh. la face des prisonniers. Ouais. Qui vont arriver ouais. des ballerines, puis qui sont comme eh, pas le même show que d'habitude. Moi j'aurais fait dans le plus pour femmes. À choisir. Est-ce que ça aurait fini par fourla quand même? Oui, mais c'est moins peur. Que deux des gars tatoués d'en face, fourla. Oui! C'est ce que j'avance. Hein. Mais il y a vraiment un manque d'éducation par rapport au ballet et à la danse. Je suis d'accord avec toi. Ils ont-tu lancé de l'argent? je <laughs> <laughs> Ils lancent des cigarettes. Ouais. C'est ça leur argent? Là. Ils lancent des ramenes ouais. puis des cigarettes. Ils ont -tu lancé ça? Mon père, euh, anecdote, mon père a son, son stage. Mon père a étudié à l'UCAM en sexologie dans les années 70. Dans ouais. les, les balbutissements là, de la sexologie. Ouais, ouais. Et son stage était en prison. Dans le temps justement où lui a fait partie de la génération Whoops, mais niveau sexualité. Ouais. <laughs> ouais. Pour vrai. Et lui, son, sa grande amie. Ils ont, ils ont commencé à faire des cours. <laughs> mais oui, ils apprenaient, que, ils, ils, ils apprenaient comment là, faire. Finalement, <laughs> c'est pour ça que ça me pique. Avasté, <laughs> <C> bah <laughs> même... <laughs> ben, ben, ça va passer. Mais là, on avait Oh, ok, il y a une raison pour laquelle. C'est pour la sexo, ça. Mais c'est un peu la sexo, mais c'est plus la médecine. Ouais, mais. Ça te pique, on va pas voir un sexo, on va voir un médecin. Non, mais tu peux voir un sexologue pour savoir pourquoi ça te pique, dans le, le sens le où quelle pratique a mené à... ça pique. C'est pas la pratique qui compte, c'est ah, la, la pratique, c'est l'essentiel, les 10 000 heures de pratique. Tu vas dans tous les sens, ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Il y a 10 000 que... heures de pratique dans vie. doute pas, Phil. Fait que la pratique, c'est ça l'important. Génial. Je vous présente Phil le matin. Euh, tout pour dire, son stage est en prison. Et il, il commence à expliquer un peu comment ça fonctionne, le proxénétisme. À une bande de prisonniers. Puis il y a eu, il euh, y a-tu genre, corps, des gars qui ont fait pas de même? Exactement. Waouh. Ça a viré de bord. Les gars ont expliqué aux deux étudiants comment ça fonctionnait la prostitution dans la rue pour vrai. Ben pour vrai, c'est. <laughs> c'est quand même génial! Ben oui. Mon père s'est fait expliquer la prostitution. Ben oui. Par les prisonniers. <laughs> il y a rien de mieux que l'expérience concrète de la rue mais je suis d'accord il y a de quoi de génial de deux étudiants à l'UCAM ouais. ils font bonjour euh, on va vous expliquer explique... ce bon. dans... pourquoi vous êtes là <laughs> oui comme... mais non ah, ah ouais, ouais. Là, mais, ouais. Après... mais lui il est revenu avec le street knowledge <laughs> à l'école <laughs> puis genre <laughs> le prof y a il a tu fait comme il y a tu des confrontations avec le prof ça je sais pas mais parce que qu essaye toi tes profs non c'est pas même. non non les gars en prison me l'ont dit puis ils y tu il y a -il ça. quoi de génial c'est on en parle beaucoup, souvent, dans les Il y a une différence entre l'académique et sur le terrain. Et là, c'est l'exemple. La théorie, la pratique. C'est l'exemple. La pratique, encore une fois, Thomas. Oui, la pratique. Et Non! Tu fais de la prostitution. Là, tu peux l'expliquer à un jeune étudiant de 22 ans. Ah! sais que mon père, c'est le premier gars de sa famille à être à l'université. Et prison en même temps. Ah, mais ça, je sais pas. La prison, non, je pense pas à la prison. Il faudrait se renseigner sur ma famille. Mais. Non, je pense que non. Mais oui, c'est euh, en même temps. C'est un tour de force. Oui. Grosse session. Ben oui, là. Un stage en prison et. ouais Mais les, les pires corpaux. Euh, prison, je serais pas game d'aller là, là, Je serais ah. vraiment pas game. Ben c'est sûr, ça marche pas. Quand tu t'habilles. Un peu prisonnier, mais tu sais. Un peu prisonnier, c'est quoi être un peu prisonnier? Un peu genre Elvis dans Jailhouse Rock. <laughs> Fait que je <laughs> suis un peu prisonnier mais <laughs> mais un peu à l'extérieur. Ouais, tu sais. Non non mais. Monique... Monique a un special dans une prison pour femmes dans ben, la cour, je veux qui dire... qui est extraordinaire. Elle est habillée en prisonnière, c'est extraordinaire. Ben, ça. Et le décor c'est une cellule, c'est très particulier. en Mon... fait, elle mais... fait du crowdwork avec des prisonnières. C'est génial. Johnny Cash là, je veux dire, mm -hmm. on s'attend là, c'est mm -hmm. un des shows les plus mythiques ever. Mm -hmm. Mais moi j'ai l'impression que... la première tourne, en plus, c'était sur la prison. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai l'impression qu'en prison, oh, ça ne je... marcherait pas, mon Petite humour. Petite parenthèse. Si vous c'est Folsom Prison, je crois que ça s'appelle. Ouais. Euh... Une des premières... Un des premiers vers, c'est I just watch a man... uh, I kill a man just to watch him die. Ouais. Dans la version en prison, live. Après cette vers là tu entends, Woo! Et c'est mon gars préféré. C'est un de mes moments favoris de la musique. <laughs> c'est le, I kill a man just to watch him die. Woo! J'adore, c'était ce... ah si ouais. extraordinaire. Non, mais en, plus, extraordinaire. en plus, dans la vidéo, euh, dans la captation, il demande aux prisonniers pourquoi ils sont là, puis pour combien de temps. Fait que t'as des gars, c'est quand même trash, là, ces ben gens. J'ai tué deux enfants, puis je suis là à vie. Tu sais, oh, puis là, après ça, tu. Oui, oh, non, non, c'est vraiment. Euh... Richard Pryor avait deux jokes géniales sur la prison. Parce que lui a déjà tourné dans une prison, puis il explique c'est quoi l'expérience. c'est ça, ça c'est tous des gars que j'ai l'impression qu'en prison, ça marche, leur joke. Mais ben lui, voici y expliquait. La première joke, c'était, j'étais dans une prison en Arizona, puis il y avait juste des noirs. Puis ce qui est triste là dedans il n'y a pas de noirs en Arizona. <laughs> c'est quand même drôle. <laughs> ensuite, il disait, moi, avant d'aller là, j'avais de la peine. Je voyons voyais don. Tellement mes frères qui sont enfermés, c'est horrible. faut changer ça. Puis je leur ai parlé. Puis je fais, Merci pour le système carcéral. Ces gars-là, <laughs> <laughs> il faut qu'ils ressemblent. Un gars, il m'a dit Il était arrêté trois fois pour kidnapper. Puis il dit Mais je pense que j'ai compris là, comment faire la prochaine fois. Ah, c'est ça sa conclusion? prochaine fois, je me ferai pas pogner. <laughs> Arrête de kidnapper le monde, man! C'est pas j'arrête, Là je sais quoi faire. Mm -hmm. J'ai vu l'affaire. La <laughs> les 10 000 heures. Les dix mille heures. <laughs> c'est trois ans. Si t'as comme 24 heures par jour puis tu penses 22 heures à comment planifier, d'après moi tu n'irais plus en prison. Mais, euh... mais c'est un peu la même logique que le monde qui est bête en ligne. Et quand je... que tu perds, tu dis ah, ok, là je sais pourquoi j'ai perdu, fait que la prochaine fois je vais. Ouais. Je vais hey, merci, Merci va complété la pensée, j'étais pas sûr, là. mais merci, oui, tu as raison. Je, comprends. je vois où tu vas en venir, <laughs> je vois où tu vas en venir. Mais quand t'as commencé, la prison c'est comme parier en ligne, j'étais pas là, j'étais pas là tout de suite. Ah, pas pas là je là. Sûr toi toi en prison, points. tu vas demander des trucs. Si tu fais un corps là bas? Qu'est-ce que tu faisais? Tu vas demander des trucs, genre la cuisine. Euh, des trucs. Comment parier. Tu, sais, tu, tu, vas, tu vas te sentir un peu plus dans ton, dans ton bassin. Ah eux, oui, je si tu penses pas que les gars de prison font Oh, ce ils c'est un to toi, toi, tu penses-tu que t mais toi, tu. tu vas en prison là. Ouais. Je meurs vite. Rapidement? Oh oui. Ah ouais? Ouais. Tu, Rapidement. Tu te défends pas, tu viens pas, genre. Je vais, je vais pour me défendre, ils sont plus forts. ils sont plus. Ça dépend quel crime, je pense, parce qu'ils font attention aux ailes hein, euh, dans lesquelles ils t'insèrent. Oui, mais ce n'est pas une bonne idée là. En général. Oui, je pense que ce pas une bonne idée en pas prison. une bonne idée dalle... Non, c'est vraiment pas une bonne idée d'aller en pas une bonne... Mais pour de vrai, de vrai, mettons un corpo très payant, est-ce que vous y allez? Je ne ferais jamais ça pour l'argent. Il y je... a moyen de faire de l'argent autrement. Euh, J'irais bien plus pour l'expérience. Mais Moi, je ne serais vraiment pas... Puis ça n'a rien à voir avec les prisonniers. Ça a à voir avec le fait que... Je le sais que. Quel numéro tu fais? C'est ça. Je ne saurais même pas quel... Imagine que tu fais turbo puis est là. Ce qui n'est pas impossible. <laughs> mais après ça, c'est ça. C'est que. J'ai. J'ai <coughs> rien à. C'est pas que j'ai rien à dire. En fait, j'ai le goût de les écouter. Peux-tu nous le compter, ton corpo, de... devant une école secondaire? Lequel? Il y en a une à m'amener puis il y en a un qui. Tu remis à sa place. Hein? Tu peux pas vu un corpo m'amener? Et il y a un jeune. Puis là, tu le remets à sa place. Je sais plus. Ça se peut-tu qu'un un corpo où tu t'es chicané avec un Algérien qui n'était plus Algérien entre toi et lui? Ah! Oh! <laughs> non, c'est même pas ça. c'est quoi alors? Non. Ben non, c'est qu'à un moment donné, je fais un, 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 un spectacle devant les écoles secondaires. Yes. Les. OK. Fait que tu genre cinq écoles secondaires. Puis le show commence, ça fait même pas. Trois minutes que j'ai déjà deux lasers dans les yeux. <laughs> J'inspecte tellement les jeunes. Là... Oh, vous êtes fort. Là... <laughs> mais moi, je m'en calisse. T'as pas l'air. T'as pas que... l'air, le gars qui s'en calisse. Non, mais je veux te dire ce qui se passe. Right. C'est que moi, je suis comme. Hey, ton petit calice de laser, mon chum, man. Pour vrai, <laughs> ça me dérange pas. Fait que... Tu dis sais ça ou t'as c'est ça? Non. Moi, genre... Non, mais t'as dit ça ou t'as pensé non, ça? Non, j'ai pas pensé ça. Je l'ai juste... J'ai en fait... Y'a rien là, mon gars. Vas-y. T'as dit ça? Non. Genre, j'ai continué le show oui. comme oui. si de rien n'était. Parfait. Puis à un moment donné, j'ai fait... hey ton laser, vise-moi donc. Puis là, y a plus jamais eu de laser. Respect. Respect instantané. Moi, j'ai juste dit, vise-moi mieux. Waouh. Puis y a plus de laser. Y a plus de rire non plus. <rire> mais... Ça, ma question. <laughs> Il n'y a plus de rire. C'était épouvantable. Ah oh, c'est génial. Épouvantable. Ah oh, c'est génial. Tu fais le show puis c'est une conférence. Puis tu fais. Ok. Ok. Combien de temps? Euh, une heure facile. Tu fasses une heure? Ça, au bout de quatre minutes genre j'ai eu le laser d'en la face puis au bout de dix mettons j'ai dû dire genre comment tant qu'avoir un laser vise moi mieux. Je les ai perdus. Puis ce qui m'a fait chier c'est que il y a beaucoup de choses cette fois-là qui m'ont vraiment vraiment déplu mais ça c'est une affaire puis j'en veux pas aux profs j'en veux pas aux prof. tu sais je suis pro prof puis tout mais mm -hmm. des fois j'ai été témoin de moments où euh, l'autorité des professorales elle, elle était tombée peut-être peut en mode euh, Pilote automatique. OK, mais j'avais une hypothèse. Quand il y a des spectacles comme ça, c'est une pause pour les profs. Ben oui. Pourrais, il aurait pu te mettre en feu, qu'il n'aurait pas réagi. C'est ça mon point. C'est que, sachant ça, y a il y a-tu moyen de, de prévoir à quelque part comme. Parce qu'à un moment donné, c'était juste désagréable, mais pour tout le monde. À part pour ceux qui niaisent. Non, non, 3, non 4, même, 4 même ceux qui niaisaient, il, 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 il y avait plus de fun. OK. Parce que, tu sais, t'as as, as 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu niaises 20 minutes. 20 minutes, c'est l'équivalent d'une heure quand t'en as 45. Ce que je veux dire, c'est qu'un mmh. show d'une heure, à un moment donné, t'as épuisé, ouais. t'es tanné. Puis, euh, <coughs> Puis tout ça pour dire qu'à la fin, il y a une période de questions. Oh! Fait que là, moi, je savais que... J'aimerais juste... Euh, ça me tentait pas, mais je, fais je des pauses, mais je, je, je je mais je crois que c'est nécessaire. Ils t'ont demandé de faire une heure de spectacle. Oui. Suite à cette heure désastreuse. Désastreuse. Reste sur scène. Ouais. Et. Réponds aux questions <laughs> des jeunes. <laughs> Qui t'ont pas aimé. Fait que, OK. Yo, y'a-tu moyen d'assister à 7? Non. Ton show, il est extraordinaire. Mais ça, c'est bon aussi. Mais là. Le... <laughs> Non mais puis en passant il y a des profs quand même qui intervenaient mais je veux juste dire qu'il y en a deux trois peut-être que non, personne 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 non passé. non mais je, je veux pas que je veux pas perdre je, je veux pas perdre de vue que j'aime les profs et je respecte que personne pas... a perdu non. mais je veux pas je veux pas qu'on pense ça fait que ça pour dire que il y, a, il y en a deux trois qui commencent à me dire toi t'es Ronaldo Messi aucun rapport mais <laughs> j'ai des opinions <laughs> Ronaldo Messi non mais en plus j'ai des opinions attends es Ronaldo ou Messi es -tu... Ouais, toi, tu tu plus Ronaldo, Messi? OK, allons-y. Ben, Messi, sans hésiter. Là, le gars, il fait. Là, le gars... le gars, je le vois qui se craint. Fais... Vas-y, c'est quoi ton point toi, sur Ronaldo? là, il commence à me dire Ouais, Ligue des Champions, il a déjà scoré. Je fais Bro, sa saison de 72 buts, je veux juste te dire que All Around, Messi en a, a scoré 93. Fait continue tant que tu veux. En plus, Messi a deux ans. C'est devenu une ligne ouverte. sportive ah, ben oui. Avec des jeunes Algériens. Ben, pas juste Algériens. Mais, mais, mais je pense que que... ceux qui te demandaient Ronaldo Messi... Il était pas algérien. Non? Non. Ah, je suis surpris. Ben, il y en, en avait beaucoup, mais c'était pas... pas le... eu, mais c'était eux qui disaient... Non, là, après là. ça, il y, en a, il y en a deux, trois qui m'ont demandé... Euh... C'était quoi mon plat arabe préféré? <rire> <rire> aucun... Je sais pas pourquoi ils me demandaient ça. <laughs> non, mais... Fait que je dis, ben, j'aime beaucoup la shakshouka, là, genre... Bon, quelle réponse. Ben ouais. Quand ils ont réagi à ça. Euh... Ben, c'est ça le point. C'est qu'ils pensaient me niaiser mais comme ça pas un pied noir ben un puis deux comme moi je vais répondre premier degré là si tu me poses ces questions là pour faire rire tout le monde je vais répondre premier degré puis tu, tu vas t'en souvenir toute ta vie génial puis comment dire t'es cap mais ben, de... je suis capable d'expliquer de, 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 oui! pourquoi j'aime la shakshuka puis pourquoi <laughs> Puis, qu'est-ce que, oui, qu que, que j'aime dans une chaque Puis, pourquoi la chaque mettons, tunisienne? Euh, moins un peu que la chaque marocaine. T'as-tu dit ça? Ben oui. Il y a-tu un oh oh, puis dans les non. deux actions qui sont. Non? Non. Okay. Il y a juste eu un. Oh, ok, je pensais que. ok. »« Ah, oh, mm. il y a assez de Ah, oh, génial. Ouais. Puis, là, à un moment donné, c'est ça, il y en a un qui arrive. Mm -hmm. Puis, ben, euh... il, il, il me demande aussi c'est quoi mon mot arabe préféré. Fait que je dis Scott. Scott. Je sais pas comment le prononcer comme du monde, mm -hmm. mais ça, ça veut dire ta gueule. <rire> Bravo. Bravo. <laughs> c'est ça. Tu euh... aurais dû répondre « Non, non, non. Non, mais, mais c'est ça l'affaire. C'est est qu'il arrivait pour essayer de me, me, me faire ouais. chier. Finalement, ben, moi, je répondais premier degré. C'est génial. Puis comme Ronaldo-Messi, ça a été un exposé pourquoi Messi, pour moi, était plus transcendantal que Ronaldo. Génial. Talent naturel. Je trouve que Ronaldo était spectaculaire dans son Prime Ronaldo, Prime on, on Messi. On peut va pas revivre, ça. Je, je, je suis d'accord. La poire et le fromage. Oui, tu peux, tu peux regarder ça pour jean j'en les <laughs> Tu sais qu'ils m'ont réinvité. Là, je sais, parce qu que a tu... pas. Oui, parce que je vois le show. Fait qu'ils ont besoin de toi. Non? Oui. Oui. Non? Il faut, je, genre, rien... ils me font une place. C'est des bons producteurs s'ils si t'invitent. Non, mais ils me font une place. Moi, genre, je rayonne. Mm -hmm. Moi, je m'émancipe. Je sais pas si tu rayonnes. Je Moi, que... je m'émancipe, contrairement à ici, où là, c'est la mort assurée à ben chaque oui. fois. Mais oui. Puis. Puis en plus, il me Attends. laisse parler de choses que j'aime. Ben oui, comme ici, là, tu parles de, de tes expériences. À, à, à chaque fois que je parle de F1 ou de on va pas parler de ça tout le long. Là, on, on, a fait pas... une, on a fait un épisode au complet. Sur Dualipa Non. C'est ça. Ah ben oui, on n'a pas fait ça Non, il oui, y a eu un titre qui s'appelait Dualipa. Oui, ouais, ouais, on l'a fait. Puis ma deuxième portion de mon, mon exposé sur Leonardo DiCaprio, je l'attends toujours, hein. Ouais, ben 3 dire. heures, un nouveau. Oui, ouais, ouais, n'a pas, pas, <laughs> pas tout dit. On n'a pas tout dit. Non, mais là, apparemment, il va peut-être se, se fiancer. Il y a des rumeurs, mais. Je suis rumeurs. Faut, faut il faut qu'il le fasse. Mais là, il va au Bird Street Club. Puis là, je suis comme Ah, oh, shit, il faudrait aller là. Il faudrait ouais, aller faire un live là. On se dit <laughs> Oui. Pourquoi on ferait ça Parce que c'est drôle. <laughs> on fait un deux presse dans un club à Los Angeles. <laughs> Rentrer là, avoir une table là, c'est quoi C'est 11 000 T'as pas de table. Tu pas bien. de table. Si tu, vas, si tu vas dans les clubs de Léo, tu peux même pas passer devant. C'est tellement… F filmer un, un podcast où il n'y a pas de lumière, pas super pour l'image. pas grave, ça. On <laughs> est dans le noir. qui pas de... pire que les premiers épisodes. Donc, <laughs> 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 dans le studio Steph, c'était cool, ça. Oui. Euh, ouais. Je me disais c'était cool aussi, mais ouais, on, a, on a déjà eu euh, des épisodes qui étaient moins bien éclairés. Fait que ça pour dire que. Tu pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Que euh, les corpos, il faut faire attention. Mais le meilleur, c'est tu sais quoi? Ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a un corpo comme ça. À un moment donné, j'ai fait la tournée des écoles secondaires. Euh, C'était quand dans, ton, dans ta carrière? Euh, like moi, saison 1, genre, ish. Tu avais combien de temps? Tu combien de matériel? Ben, dans le fond, j'avais une heure, mais je n'avais jamais fait vraiment une heure. Fait qu'on faisait un 30-30 avec Joe Guérin. Puis moi, je n'étais pas fort. Sur ça. La raison pour laquelle on m'a dit que c'était une bonne idée, je trouvais pas que c'était une bonne c'était une bonne, une bonne raison. C'était que ça aide à développer un public jeune. Puis je suis comme moi je me souviens des shows que j'ai vus au secondaire. Jamais je me suis attaché à eux. Exact. Deux. Peut-être qu'à l'époque pré réseaux sociaux c'était une bonne idée. Mm -hmm. Puis c'était la chose mm -hmm. la chose à faire quand tu avais une gig à musique plus. Qui ben. Bon. Je, ah je ouais, pas. je comprends. Non. qui, qui t'a dit ça. Fait que. T'es plus autres, hein? Ben non. C'est curieux. Fait que, j'ai. Euh, fait que, tu pour dire que t'avais une gig par année qui s'ouvrait à Musique Plus, puis tu sais, c'était pas mal le top Radio Musique Plus. C'était là où tu pouvais con... Fait que, c'est vrai que les écoles secondaires, dans le temps, c'était une bonne idée, mais comme en 4 ans, 5 ans, ça avait complètement. Ça s'était complètement métamorphosé. Mais, je me suis dit, j'ai besoin d'expérience. Euh, plus les publics vont être tough. Aussi, on va le dire, l'argent. Franchement, pas tant. Il y en a quand même. Il faut quand ouais, même mais, que tu payes mais, ton loyer, Non, ouais, mais à, à, grâce à Like moi. Oh, moi C'était vraiment pour oh, l'expérience ouais, que je l'ai fait. Puis euh, un moment donné, là, un moment donné, les deux derniers, je m'en souviens, les deux derniers. Oui, parce que c'est pour ça que c'était dernier, hein? Oui. <laughs> j'étais le premier, j'étais pas chaud. Le premier, j'ai fait. Euh, mais... à, avant tout, tu jouais à quelle heure? Il n'y avait pas de limite. Des fois, j'ai déjà fait un show à Québec à 9 h. Passé Québec, genre Montmagny. 9 h. 9h. Je suis parti genre avec Joe à 5 h 30 Puis Là, tu arrives à 9 h dans la cafétéria, l'Agora. Puis tu fais un show. Pire éclairage, ils sont tout endormis. Il y a zéro. là. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'éclairage, il y a focal. Mais quand je parle d'éclairage, c'est l'éclairage des néons. Non, C'est des néons, là. Tu es au cœur. Oh non! là le ça ah, ça fait que le et show tu qu'il y a un show ou il l'apprend. Ils j'oublie 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 il a oui. 15 ans c'est pas c'est pas de heures, oui, la faute ah, heures... il est comme 9h là oui il y 9h c'est n'est pas 8h30 là tu sais c'est genre on était à la première période à 9h quand t'as 15 ans c'est pire qu'à 9h quand tu as 30 ben oui c ben c'est à 9h quand tu as 30 en général t'es réveillé depuis 2h là ouais. tu sais c'est mais... tu les enfants il dit genre ah exact puis un autre fois on a fait un show genre Attends, ça, non non je veux bien plus de détails c'est épouvantable il au milieu d'une agora comment on t'annonce Philippe Audrey. non oui il y a oui le oui oui le responsable des activités parascolaires qui fait là tout le monde tout le monde puis tu sais que le show commence mal quand il prénomme un élève Étienne Étienne oh. <laughs> s'il te plaît Là, tu le sais que ça va être de la marde. Étienne, il, il prend pas. Hein, ouais, Étienne, tu prend le prend sais que il, ça, va pas, ça va pas bien ouais. aller. Étienne, si tu fais un corpo en prison, il risque d'être là. Oui, Dans tu, tu le revois ouais. okay, réunion. Encore... Ouais, tu... <laughs> <laughs> le réunion de corpo, <laughs> c'est quand même drôle. <laughs> <laughs> Tous sûr. <laughs> je dis, je l'ai ça. Le pire, c'est qu'il y a des chances parce que ça fait 10 ans. Oui. Fait que tu donnes avoir une coupe là-dedans. Je pense qu'il y avait un char, lui. Mais, fait que là, tout ça pour dire que tu fais le show. Tu reçois le cachet. Euh, avant tout, j'ai plein, Puis, plein as de questions. tu n'as aucun système de son qui a de l'allure. J'ai plein de questions. La première question Qui ouvre Toi ou Joe Ah, oh, c'était moi. Oh. Oui, oh, oui. Oh, génial. Non, non, euh... non, parce que Joe avait bien plus de stock. Joe, c'est vraiment bon, c'est vraiment drôle ce qu'il fait. Bien sûr. Puis c'est tellement euh, pété que c'est un peu comme les Chicken Swell à l'époque ouais. où il faisait de la scène ou les Denis de Relais. C'est il n'y a pas vraiment d'âge pour apprécier ça. Mm -hmm. Genre, c'est vraiment 0 à 107 ans, c'est pas grave. Ouais, toi, ça te prend une d'amour pour aimer ton matériel. Ben moi, moi, il ouais, moi, faut. Euh... Alors, faut une Oui, moi, les profs aimaient ça plus que les élèves, mais mon stock. Pour ah, vrai. Alors, fait que ceux qui avaient une carte de crédit, c'est quand même bien. Oui, c'est ça. Mais, mais euh, C'était une belle façon de délimiter le public à l'époque. Ceux qui avaient une carte de crédit. Fait il, il ça. Les profs, le directeur, le dealer de drogue. <laughs> les trois. Les <laughs> fois qui avaient de l'argent. <laughs> mais Seinfeld avait déjà dit ça, déjà dit ça dans le truc, j'avais trouvé ça intéressant. Il avait dit une, à il avait dit, Pourquoi Tu sais, Seinfeld, c'était pas le show le plus écouté, mais c'était le show. Euh, vous êtes resté vraiment, vraiment longtemps. C'était très écouté, mais t'étais pas autant écouté que Rosen ou que Home Improvement. Puis il avait dit Non, par contre, nous, on t'écoutait par ceux qui avaient de l'argent. C'est ce pour ça que j'étais payé aussi cher. On avait moins d'écoute que Rosen, mais ceux qui nous écoutaient, c'était les architectes. C'était des euh, banquiers, ouais. c'était des, des gens qui. Ce qui, a... qui justifie qu'il y a un terrain de baseball dans sa maison Oceanfront dans les Hamptons. <laughs> c'est une affaire qui m'impressionne le plus de l'humour ever, ça. <laughs> que des jokes peuvent t'acheter un terrain de baseball sur ton terrain dans les Hamptons. Genre, pour vrai. Moi, Tonnerman aussi, il y a une estimation qui n'a pas de sens, c'est pareil. Ben, genre, tu sais, des jokes. Ouais. Pense à ça. Des blagues ont permis de s'acheter ça. Ça, c'est l'affaire qui m'épate le plus avec ouais. l'humour. Puis souvent... Ben, quand qui m'épate le plus. Il y a d'autres affaires, ouais. là, mais... Et puis, pas toujours, mais souvent, quand, quand tu t'achètes ça, tu n'es plus capable de faire des blagues. Non, mais le off. pire, c'est que c'est l'époque où il y en avait encore dedans, parce qu'il a fait Comedian, puis il a fait... Euh... Il, a, il a fait sa première tournée post-Seinfeld, qui, mmh. qui, qui était... Malheureusement, aujourd'hui, je trouve que il, cette tournée-là, il, il a fait une variation sur un même thème pendant 20 ans, mais... À cette époque-là, c'était vraiment du nouveau stock, puis c'était pas mauvais. Mais euh, ben pour l'époque. C'est ça, ton corpo à Québec à 9h le matin. Oui, mais là, j'ai déjà, déjà eu aussi, ça c'était épouvantable aussi, là, une affaire. C'était littéralement le vendredi avant les vacances de Noël à 3h. Toute l'école. Qu'est-ce que tu penses, toi? Même moi, j'avais pas le goût d'être là. Ah, génial. Même moi. Ça, ils ont crié, qu'est-ce qu'on fait? Non, puis c'était secondaire 1 à 5, ça, c'était le pire. C'était le pire, 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 pire. Ben, ils n'ont rien fait. Ils ont attendu. Moi, j'ai attendu, puis j'ai fait « Pourquoi je suis ici? »« Pourquoi je suis ici, là? » Puis, j'avais déjà posé la question préalablement. « Pourquoi je suis ici? » Ça s'appelait la tournée « L'effet secondaire ». Pauvre. Pas le meilleur titre. Ben non, je trouvais que c'était bien trouvé. Tout ça pour dire que... OK, mais appelle ton prochain show comme ça. Non, jamais. Puis... Puis, on fait ça, puis je suis comme hey, j'ai pas le goût. Mais une fois, c'était une autre fois, c'était ça c'est quand même dans les pires parce que tu sais zéro attention, tout le monde, tu dérangeais en fait, tu, tu, ouais. tu retenais le monde. Mais une autre fois, ça c'était dans sick dans un sous-sol d'église, yes, et t'as toute l'école encore une fois, puis c'était tellement désagréable. Je te niaise pas. C'est l'affaire la moins professionnelle que j'ai faite à part Deux Princes. <laughs> j'ai joué... J'ai joué avec un, mon chronomètre dans les mains. Ah, oh, ça, je te respecte. J'ai joué... Ah, oh, respect. respect. J'ai joué vraiment. Parce que même au début, « Étienne, Étienne, euh, là, puis tu le sais, puis là, c'est pas pour porter des préjugés, là, mais tu le sais que ça va être particulièrement de la merde. Ouais. » Quand il va dire genre mettons Étienne, Étienne, le là, hey, là, tu as, as trois niveaux. Tu as Étienne, ça c'est pas bon. Là, après ça, tu as Étienne, Benoît, s'il vous plaît, là, oh, on va vous séparer. Là, tu fais Oh non, ça c'est pas bon. Mais le pire, c'est quand mettons, t'entends Hey les filles, Geneviève! Quand, quand, quand ça pointe vers les filles, je sais pas pourquoi, mais là, tu le sais que ça va être vraiment... Tu t'apprêtes tu, tu à. Oh, c'est dit. C'est la faute des femmes. J'ai jamais dit ça. Quand c'est le chaos. J'ai jamais dit ça. C'est la faute des femmes. Non! J'ai juste dit que mon expérience me dit que quand t'entends gars plus fille », là, t'es dans les sept cercles de l'enfer de Dante Là, là, oui. t'es. Parce que Il y a... le, le ça... mal est féminin. Non, j'ai jamais dit ça. Oui, tu dis souvent. J'ai jamais dit Or, ça. Hors micro, tu dis souvent, le mal est féminin. J'ai jamais dit ça. De Nulle part. Des fois à 4h du matin, le mal est féminin. Ouais, oui, je t'ai oui, texte. Phil, ouais, le mal est féminin ». Le mal est féminin. Oui, c'est ça tu m'écris. Ouais, okay. souvent, le mal est féminin. Ben oui. <laughs> je OK. Ça que le mal est féminin. Le est mal est féminin. Est ça c'est ça le titre de mon prochain spectacle. Hey, encore là. Le mal un est... public. Oui, sûrement, mais c'est pas. En prison, ça s'appognerait. Ça le mal est féminin. Mais. <laughs> ouais, tabarnak. Non, il dit. Ils m'ont stoulé. Non, mais. Quand... <laughs> mais. On avait une belle opération. Le, là, l'affaire, c'est que je joue avec mon crâne. Puis, tu sais, genre, je suis là une demi-heure. C'est mon sel ou c'est un chronomètre? Non, c'était mon sel. Ok, génial. J'ai mon sel dans les mains, puis je regarde même pas le public. Je suis comme... C'était combien t'es caché à l'époque pour ça? Pour subir ça? Je pense... Écoute, je me souviens de 500. C'est pas beaucoup. Quand tu vas aller au bout du monde, là. Je sais pas si c'était 500 à 2. C'est fou. Ouais. L'affaire dans même. Moi, mais là, je sens, mes, mes, mes seul au milieu scolaire, c'est l'université qui, c'est les étudiants qui votent pour m'inviter. C'est ça. Les seules fois que j'ai fait des non moi des mais trucs, non mais c'est le très cool. Le pire, merci de toujours la le pire, le pire, le pire c'est qu'après un corpo, j'ai fait, après un, une expérience où tu sais, oh, je vais apprendre, j'ai besoin d'ordre de milage ah, les conversations. Pourquoi fait demander de venir enregistrer un coup plus vert dans un ben, sujet Puis on a dû dire, pense je n'avais jamais écouté coup plus vert. Puis c'est correct. Puis je pense pas que ça concorde dans un cégep. Mais merci de l'offre. Mais ben, c'est fin. En tout cas, moi j'avais dit je, ça sert à rien ça, ça sert c'est pas payant, c'est pas agréable, <laughs> c'est pas formateur. Ah ouais, oui, tu apprends à rien. C'est souvent ça c'est drôle, on entend souvent non mais tu sais pour apprendre à être humoriste, ça prend des conditions difficiles. Ben oui, moi ça sais pas mais. J'y crois dans une certaine façon. Il y a, a puis a ça n'a pas rapport. Là. Ben c'est ça. Exact. Ouais. C'est difficile ou ça n'a pas rapport. Puis là ça n'avait pas rapport mais le dernier 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 c'est encore une fois puis là, là lui en plus j'avais dit je veux pas le faire c'est fini on arrive like moi saison 2 en plus fait que là tu me rajoutes ça par, par dessus les, les jours de tournage ouais, le cachet a été augmenté j'ai plus besoin littéralement de ça puis je joue déjà dans des bars où j'ai où ça a de l'allure puis c'est ouais. aussi sinon plus parce que là je suis genre faut puis que tu sais, je suive Guillaume dire? Wagner, ouais. mettons. Ouais. J'ai pas le choix d'être bon, là. Ouais. Ah, petite parenthèse. J'ai assisté à une fois à un corpo. Parce qu'à l'époque, je collaborais un peu avec François Bellefeuille. Puis une fois, ils ont fait un corpo, c'était François Bellefeuille, Simon Leblanc et Guillaume Wagner. Mais il y en a eu je... pour leur argent, eux. Je suis que tu pourrais jamais, aujourd'hui, te ami? payer. Les, les, trois ont, ont, les trois sont pas mal plantés corrects. Le seul qui a tout arraché. Simon Non. C'était Guillaume Wagner qui était MC et qui faisait quand même amener un 15 minutes. Ah, ouais. Et même, il a tout arraché. Il était dans des jeunes de 15 16 ans, il a fait un 10 15 minutes sur quand tu vis que ta blonde en appart Il les pliés en deux. Ben, c'est ça. Puis ah oh, ouais, c'est vrai puis on se mais il y a mais ils vivent tous chez leur mère. Ouais, mais ils pensent que ouais. Mais Bon ça veut dire en en écrit... <coughs> Moi j'ai beaucoup écrit pour, euh, pour du jeunesse, on sait toujours dire quand tu écris pour un âge, écris pour 4 ans plus vieux parce que souvent, on se voit plus vieux qu'on est. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Ah, c'est un bon truc. Un excellent truc. Mais ouais. Mais ce, ce dernier corpo-là. Puis Lily Boisvert m'a déjà euh, souligné. Ah, c'est drôle. À partir, partir d'un certain âge, c'est l'inverse. Si tu veux écrire pour les gens de 40 ans, écris pour les gens de 32. Souvent, à partir, partir d'un certain âge, on se voit plus jeune qu'on. Ah ouais c'est pour ça que tu as des gars de 52 qui sortent avec des filles de 26. Ça, c'est <laughs> un autre phénomène. <rire> <rire> que sûrement Lily a une opinion là-dessus. Ouais. Mais c'est autre chose. Mais, mais elle veut même observer. Ah ouais, vrai. Quand on regarde la télévision, ah ouais, ça, c'est tellement nouveau. Non, c'est des jeunes 30 mères. Tu as 46 ans, c'est fini, ça. Ouais. C'est vrai, hein? Mmh. Ah, J'avais pas pensé à ça. Mais tu pour dire que le dernier le dernier, euh, dernier corpo, je veux pas le faire. Puis là, on me l'impose. Puis je suis comme. Je... C'est pas. C pas... Ah, je sais même pas comment l'expliquer. Me... En plus, c'était à Montréal. C'était pas trop loin. Puis. Oh, la ride après, c'est quelque chose. Au moins, ah, deux, non, non. tu peux en parler. Non, non. Mais attends, c'est pas ça qui est arrivé. Je me pointe là. Puis là, je réalise qu'il n'y a pas de salle que n'y a pas vraiment de micro, il y a rien. Puis c'est effectivement le vendredi avant les vacances, ah, wow. un midi genre, ah, wow. ou la période avant le midi. En tout cas, tu peux faire une bombe atomique tellement qu'il y a d'énergie là-dedans, ouais. le puis d'anticipation. Puis là, on fait le show. Puis moi, je fais le show. Il y a Joe. Puis comme, ben, il se passe rien. Comme il n'y a... a rien. Oh, ça sont même pas sur-excité Non, y a, y a, en fait, c'est pas. Non, c'est ça, c'est que. Il se passe rien dans le sens où j'existe plus. Genre, ça. ça puis t'es comprends il, en plus. Il, oui, puis il, il me gossent, puis ils me lance mm -hmm. des affaires. Est-ce qu'il <laughs> Est qu te lancent? Je sais pas, des berlingots, des cossins, comme. Je respecte tellement. Fait qu'ils disent que les jeunes ont pas rapport. Ils ont les jeunes sont extrêmes. Ben, non, mais, mais moi aussi, à la limite, je suis comme. Sauf que j'en veux pas aux jeunes. Non. J'en veux pas à l'école. Non veux à, ton agence. à mon agence qui a plugué ça. On les nomme? Je suis vraiment, ouais, non non. Pas, pas. Puis je suis plus le show avance, plus je suis en tabarnak. Mm -hmm. Mais pas contre personne devant moi, mais contre du monde qui sont pas là, et mm -hmm. qui sont jamais venus. Je comprends. Fake. Je comprends. Oui, il fait. Dit ça, fait, donc ça c'est bon pour toi. Viens. Ouais. Viens. Fait. Et ensuite, dis-moi que c'est bon pour moi. je, je me souviens. Genre, genre, je finis, je regarde Joe, puis je fais. Euh, je serai pas là. À la fin, euh, prends, prends le, genre, je, le, je dis C'est génial. invité On accueille Joe Guérin, puis je, ouais. hey, je, 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 je dirais à tout le monde, moi j'ai accès à une passion de Phil. Phil est hilarant, sur scène, en, en tant qu'acteur, en tant que, Il la radio, extraordinaire. Je collabore, je collabore avec lui parce que j'admire l'artiste clé. Mais là où il est particulièrement drôle, c'est fil tanné, man. Fil tanné. Encore une Tabarnak. Fou. Ah ouais. Pas juste Niveau. Ça change. Niveau. Niveau. niveau... Je... Tout change. Ouais. C'est le plus drôle au monde. Non, non, je suis en Tabarnak. tabarnak. C'est extraordinaire. Fil tanné d'un projet ou fil tanné de quelqu'un ou fil tanné d'une situation, mais un film. Mais en tout cas. Là, là, je fais juste comme je regarde. une bande de presse me dit Ah souvent tu fais euh, tu passes fil. Ouais, parce qu'il est extraordinaire. Mais, non, mais là, là tu sais, j'en parle, puis j'ai des, pal des palpitations tellement. Je me souviens à quel point j'étais en tabarnak. C'est que. Ah! Tu fais. Ça fait dix fois, man, que je te le dis. <laughs> que c'est de la calice de merde, Puis que je suis obligé de me lever tôt. À, à, de, 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 de scraper une journée en plus. Ça, oui. c'était la, oui. la cerise sur le Sunday. On avait déplacé une journée de tournage pour ça. Ouais. -ce que Philippe Audrey ne pourra pas être au sketch. C'est ah, vraiment pas drôle que Mac Brunet a écrit ouais, pas parce qu'il doit faire une Un école secondaire à Montréal-Nord. Puis moi, en vrai... ah non, c'était pas à Montréal-Nord, c'était genre à... à La Salle ou La Chine. Ouais. <laughs> parce que j'ai pris la vingt. Mais je me souviens, je sors de la scène et je dis à Joe, euh, je ne le... serai pas là. Mm -hmm. Genre, je m'en vais. Là, Joe me regarde, il fait OK, il va faire son show. Puis j'ai juste eu le temps de faire OK, il n'y a plus de berlingot à lancer. J'espère il... que ça a bien été. Mais en vrai, j'ai été très égoïste, je suis pas resté. Ce que j'ai fait, c'est que, mais d'un geste, d'un geste, c'est comme une motion. Ouais. Je suis sorti de l'école, pris mon auto, conduit, j'ai été me stationner en double devant l'agence. La, je suis rentré, puis j'ai dit c'est la dernière <laughs> calice <coulisse> de foi <laughs> Je l'ai dit, je ne veux plus. J'ai insi insisté. Puis je ne suis pas quelqu'un qui crie. Tu si j'ai une machine à remonter dans le temps. Tu veux voir ça? Je n'arrête pas le 11 septembre. Ah, tu veux me voir rentrer ouais. en tabarnak? Ouais. Genre, ah, non, je je ne je, 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 je m'arrange pas pour que la Première Guerre mondiale non, a Ça a gâché, lieu. Ouais. Ça a gâché mes premiers jours de vacances tellement j'étais en tabarnak. Parce que j'étais comme... Ça a servi a tout ben oui attends pour ceux qui nous écoutent parce qu'il y a des gens oui euh, oui non non mais ils, ils, ils m'ont écouté parce que j'ai plus jamais refait ça si es à l'aise ouais au ou plus t'es pas Mais tu t'étais curé des corpos ouais est quoi ta solution pour plus avoir de corpos ah ben c'est simple euh, parce que j'ai 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 j'aime pas tant que ça les corpos parce que les corpos à l'époque non mais là maintenant c'est plus le fun ceux, ceux qui t'abordent un peu de bon sens. Là. en fait c'est ça c'est que quand tu commences l'école une façon de faire de l'argent Vraiment, honnêtement, puis euh, je ne veux pas dire facilement, mais c'est des cachets comme auxquels tu n'es pas habitué. super intéressant. Quand... Ouais. C'est ça, c'est les corpos. Sauf que les corpos, c'est vraiment kit ou double. C'est soit vraiment le fun ou épouvantable. Puis quand tu commences, malheureusement, c'est souvent épouvantable. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, après un an, mais euh, euh, moi, je trouvais ça important la première année de tout faire. Fait que j'ai fait des corpos. Deuxième année, j'en fais des corpos, <laughs> mais là je commence à faire, eh, hey, euh, moyen, moyen, ouais. le, le, moyen <laughs> le, le party de Noël des soudeurs de la valtrie, pas sûr. Parce qu'en plus vous voulez le gars de like moi, ouais. mais tu sais moi je, euh, à fait, chaque fois je me dis un band t'aurais tellement plus tripé. Ben oui. Mettez un Ben, un autre micro pour ceux qui veulent chanter avec le band, c'est un party beaucoup plus fun. Ouais. Puis, moi, je trouve qu'il y a des et les humoristes. Et les musiciens. Ils disent pas non des gigs. Il y a des humoristes qui sont vraiment bons en corpo. j'appartiens pas à ces humoristes-là. Puis, euh, la, la troisième année, là, je pouvais faire une, une moyenne. J'ai fait OK. Été 1, été, hiver 1, été 2, parce que souvent l'été et l'hiver, les corpo, là C'est les parties genre euh, des de golf, camping. Puis après ça, c'est. J'ai jamais été à sa partie de golf. Ah, les, les golfs, les, les tournois de golf. Je ne connais personne pour qui ça s'est bien passé. J'ai fait un spectacle, euh, j'ai fait un, un soirée de, une soirée d'humour. Il y avait deux gars qui avaient fait un spectacle de golf. Un qui n'était plus habitué, l'autre, c'était son, son premier. Ça faisait deux semaines, il en parlait encore. Ah non, non! Il n'était <coughs> pas encore remis. Non, c'est. La plaie est encore ouverte. C'est pas une. Fa... Non, mais, mais, mais moi, je veux dire, déjà, tu le sais, quand les tables sont rondes, que ça va mal aller. Mais... C'est drôle parce que euh, l'autre gars, c'était Christophe Zupéry, puis il joue beaucoup au golf. Oui. Ah, moi, je sais quoi un club de golf. Fait que je savais à quoi m'attendre. Ben oui. Je savais que c'était allait... épouvantable, mais je prends le faire, parce que puis... le, le tournoi de golf, t'es souvent la surprise de la soirée. Mm -hmm. Mais eux, là, ils ont fait une game de golf, pas nécessairement euh, à, à jeun. Mm -hmm. Là, ils sont entre amis. Ouais. Il y a plus. Pu... Tu es bien plus intéressé. C'est normal, tu es bien plus intéressé par les gens avec qui <laughs> tu viens de passer la journée que le zinzin qui vient de compter des jokes. Ouais. <laughs> puis animer l'enchère silencieuse. Mais tout ça pour dire que... Euh, ouais, euh, j'ai Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la moyenne d'argent par corpo, puis c'était, pour vrai, euh, c'était pas un montant, euh, c'était pas genre 35 000 mm -hmm. Fait que j'ai fait, OK, par année, en, on va dire une douzaine de shows, je fais ça depuis grosso modo deux ans. Bon, mais on va exiger ça pour un corpo. Yeah. Puis de fait... J'en ai fait moins, mais j'ai fait autant d'argent. Puis généralement, ça c'est l'affaire que j'ai remarqué, quand tu exiges ce salaire-là, oui, il y a une pression parce qu'il faut que tu sois bon, peut-être, mais bien. généralement, c'est parce que les conditions vont être bonnes. Brillant. Fait que je dis pas aux jeunes qui commencent à réclamer tout de suite un cachet de 15 000 mais vivez oh, on, les on, on, expériences. On dit rien à personne. <laughs> mais c'est un truc que t je donne. T'expliques qu ce que tu as vécu, puis ils font ce qu'ils mais... veulent avec. OK, fais, les, fais les, OK. Ça, c'est le, le segment film va au cinéma. Ben, je vais souvent au cinéma. Fait qu'en quoi c'est un problème? C'est pas un mais, problème. Ah, quoi? Pourquoi, pourquoi tu pourquoi t'es attaqué? Le... au cinéma! Oui, ouais, mais Attends, je vais pas toi, juste voir... Toi qui vas voir Twisters, c'est drôle. J'ai pas été voir juste Twisters. J'ai été voir Twisters en D-Box. C'est quoi ça, un D-Box? C'est les, les sièges qui, euh, qui vibrent Alors, un comme peu. Comme le manège à ronde. Là. Vraiment moins le fun. Ah, boum! Ouais, j'aurais voulu... Genre, je voudrais voir Twisters, Twisters en 4DX. Parce que 4DX, t'as les sièges qui bougent, mais genre, plus, euh, t'as du vent, puis de l'eau. Puis t'as des odeurs aussi. Génial. C'est malade. J'aimerais ça avoir un, un film comme ça, mettons, dans ces conditions-là. Parasite? Non, pas Parasite. Parasite en 4DX? <laughs> ouais, mais j'aime... Ouais! <laughs> C'est ça. Un... In the mood for love. Oui! 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 Tu sais, le parrain, <laughs> pis tu sens le sang, quand il, tu sens qu'il va aux toilettes, ah, tu sens ouais. les toilettes. Ouais, peut-être. comique. Mais sauf que... Un, vrai, un coup de comique de... Sauf quand que, que je tu sais, trouvais... quand... J'avance ça. Ouais. Tu sais-tu vraiment faire ton film si as besoin d'autres éléments? Parce que un, un film réussi, mais tu sens la vibration puis tu sens un ouais, peu. La... Mais quand non, tu tiens, tu sais ce que tu oui, fais, ça que... fait des émotions. Là. Sauf que moi, je crois vraiment que. Tu as à... un show d'humour, mais à chaque joke, il y a du monde qui vient de déchatouiller. C'est pas... la même affaire. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais, mais je pense que c'est une initiative des salles et non des films, par contre. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a des films que, pour vrai, moi j'ai une théorie sur. Il y a des films qui sont meilleurs si tu manges du popcorn. Avec lesquels qui sont moins bons quand tu manges du popcorn. Non, il y a des films que je trouve que. Tous les moi, films sont meilleurs. C'est-tu quoi? Non, non, mais attends, je, je vais finir. C'est que. Juste avant. Euh, si tu as une rétrospective d'Eric Rohmer mmh, Manger du popcorn. Je, moi, je fais pas partie de ceux. La, la liste sont... la de lag du popcorn, c'est extraordinaire. Mais ben c'est ça, mais, mais genre. Que... Oh, un petit peu la roue. Ouais, c'est elle. <laughs> c'est tout là. Mais que <laughs> C'est tout là. <laughs> tout lent. Mais. Non, mais, mais c'est vrai qu'il y a des films, je trouve que. <laughs> Moi, je fais vraiment pas partie de ça. Il y a beaucoup de cauchemars. Ouais, il a tiré dans le cake, quand Mais. Il a, il a pas a... manqué. Il y a des films, je trouve que. Ah il est bête le nazi! Faut pas. Oh il est bête! <rire> <rire> pas fin fin, je l'inviterai pas à Noël. lui. <laughs> ben oui, <laughs> mais il y a comme même des. des... C'est ça. Y a, y a... Moi je fais pas partie de ceux qui sont comme <laughs> pas, pas de popcorn au cinéma. Fais ce que tu veux au cinéma. Déjà, t'es là, c'est le fun. Alors, moi je suis de... sûr. Amène ta propre affaire. V ouais. Qu'est-ce que tu amènes au cinéma, toi? Jamais toi, tu fais jamais ce crime-là. Ben ça dépend. Des fois, j'apporte des crudités. T apportes des crudités. Ben oui. L... Ben voyons. Ben évidemment. Pas de vodka. Ah non. Jamais! Non. Tu n'as jamais amené l'alcool au cinéma? Non. Ah, non. Okay. Tu n'aimes pas l'alcool, excuse-moi. Oui, c'est ça. Mais, mais genre, il y a des cinémas au centre-ville qui ont des petites épiceries pas loin. J'aime ça parce que je peux aller m'acheter une petite salade des petites crudités avec un plat d'humus. Puis genre, je suis très heureux. Moi, j'adore aller cinéma. du subway. Ça coule partout. C'est Par Pas chez nous. C'est dégueulasse. Ouais, mais... dégueulasse, je te Puis sauf que, je trouve que les cinémas, je trouve que l'offre alimentaire, elle évolue pas vite. Puis elle va pas voir la santé. Puis ça, ça me gosse. J'aime beaucoup prendre du mauvais thé au cinéma aussi. trop ça. Du mauvais thé, là. Parce que une quand, quand, quand je prends du thé, c'est le moment où souvent j'ai des affaires, je fais de la contrebande. j'ai j'ai des, des, des petits plats d'humus. La contrebande. <coughs> ben, des, 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 des crudités. J'ai des affaires illégales. Parce que je me dis, on ne oh, soupçonne pas okay. le gars qui est assez cave pour payer quatre pièces pour un thé au la cinéma. La plupart des employés ont 19 ans et ils, ont, ils prennent. Du cannabis juste avant, en forme de bonbon. Ouais. Ça leur dérange pas. Mais pas vraiment... des fois. Des... Hey, en, passant, ça, en passant. Ça, non, mais là, je vais faire un Laïus là, sur Montréal. Va va. <laughs> Quoi encore ouais. Non, mais honnêtement, euh, moi, j'ai vu là, apparaître le quartier, euh, le, le Banque Scotia, qui à l'époque s'appelait le Paramount. Oui. J'aime beaucoup ce cinéma-là. Ouais. Il paraît que c'était le cinéma qui a rapporté le plus d'argent au film Dune 2. Ah, Donc, ben tant euh, mieux. Vive nous. On est contents. Sauf, on sauf que on est là pour toi et Denis, on est là pour toi et Denis. Un petit coup de pinceau là une fois de temps en temps ça ferait pas de tort. Hein? Il commence à... ça peut pas être le cinéma là, du une... centre ville de Montréal. Là, en fait il est totalement à l'image. Euh, on a repeinturé le studio. Je sais combien ça coûte. Vous avez les moyens? Oui oui. Vous avez les moyens de repeinturer? Non, non, il y, y a genre des néons qui ne marchent pas. C'est sombre, c'est glauque, c'est sale, c'est triste, c'est gris. Il y a trois comptoirs qui ne servent à rien. Trois? 17? Non mais c'est ça. Il y a un étage, c'est fantôme. Ah oui, il y a un étage, c'est vraiment glauque. Le dernier, le bar qui n'a jamais existé, mais qui a peut-être existé comme une semaine après l'ouverture. Personne n'a jamais dit on va-tu une dette au bar, au Banque Scotia Non, genre, c'est ça. Fait faites de quoi, parce que ça ne marche pas. quest Ah Un stand de prince pour faire des. Oui, peut-être, mais. Non, non, mais je veux dire, il faut réinventer l'espace. Mais ça fait cinéma qui vont fermer dans genre. Enfin,. Il l'amène à la fin de vie. Là. Il n'y a pas d'investissement qui a été fait là. Ça fait ça. Là. Oh. Ça fait vraiment ouais, ça. Je comprends. Puis c'est correct. Ils vont tout centraliser vers le forum. Ce qui veut dire qu'on n'aura peut-être plus de films indiens. Meilleure expérience ever en passant. Les films de Bollywood aussi. Fou. As -tu déjà été? Il n'y en a pas euh, au forum. Non, euh, au forum, oui. Ouais, Mais ça. As tu as-tu déjà été Jamais. voir un film de Bollywood Jamais. Oh! D'action ah, ça, jamais, malheureusement, jamais. C'est une films expérience à vivre. Vous La salle, les films de Jack... oh. La salle est jam-pack, premièrement, ouais. mais pas genre beaucoup... Non, non. Il n'y a plus un siège de disponible et ça, ça vit le moment. Là. Je comprends. ils comme... connaissent ces acteurs-là... Là. Oui, non, mais il... en fait, ce qui est spécial, c'est que ça devient comme... C'est que tu t'es plus passif Genre, eux, eux, euh. Ah, c'est une vague. C'est un, une vague. Ouais, ils crient, ils, mm -hmm. ils, 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 ils vont. Je sais pas, mais c'est très, très vivant. Emporté, ouais. le, le, le film devient. C'est plus juste le film, c'est de l'expérience, c'est ouais. tout. Ouais. C'est C'est genre... vraiment à vivre. Là. Moi, j je, 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 je... franchement, les films, j'ai les trouve rarement bons. Quand j'y allais à l'époque, j'y allais souvent. Les films, j'ai les trouve rarement bons. Je comprends rarement l'histoire et les dialogues. Oui, pas ouais mais il y a, mais... ouais, y a des sous-titres, mais même à ça, que ça va vite. Puis. Mais, mais c'est malade, c'est vraiment une expérience à vivre. Fek, Twisters, ça fait partie des films. Message aux drogués. Ouais. T'aimes prendre la drogue, mais tu sais pas quelle, quelle activité faire pendant au que t'es drogué. c'est le fun. Pas juste au cinéma. On va voir un film de Bollywood, Jam Pack, après avoir pris ça du cannabis. La ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Tu vas capoter. Ou sur du moche. Non, mais, mais en fait, tu vas, tu vas vivre de quoi que tu savais pas que tu pouvais vivre au Québec. Ah, ouais. Génial. génial C'est vraiment génial, ça. Génial. Tu vas faire comme, hein, « ah ça se peut, ça, ici? » Puis, il ne faut pas y aller, genre, le mardi à 2h. Allez-y, genre, le, le, la première, euh, le, le vendredi, genre. Non, okay. non, le vendredi, mettons, 9h. Là, là... 21h. Ouais, 21h. Okay, ça va être fou. Moi, je l'ai souvent fait. C'est malade. Mais... Euh... Souvent. Ah, une dizaine de fois. C'est énorme. Moi, je pensais que tu pensais à dire 3. Non, 10 non, fois, non. non. Une faire. dizaine de fois. Oui, oh, oui. Mais... Ça, mais... Ça Mais continuer. ça, c'est une affaire qui me déçoit un peu de moi. C'est. Tu sais, moi, j'allais voir, mettons, du cinéma le plus IMAX possible, le 3D, toute la patente, à 14 ans, mettons, mm -hmm. 15 ans. L'as-tu compté la fois que tes amis. Bref. C'est ça, c'était la tradition avec mes amis qu'on allait au parc, qu'on fumait, puis on allait voir IMAX 3D. <laughs> puis, genre, c'est de les meilleurs souvenirs de ma jeunesse. C'est pas une farce. C'est dans les affaires que j'aime le plus au monde. Ouais. Si, mettons, tu sais, une dernière semaine à vivre, ça fait... C'est dans le programme. Je comprends. Peut-être pas le dernier jour, mais dans la dernière semaine oh, à dans vivre.. Dans le milieu. Non, je vais le faire au début, là. Okay. Parce que je me laisse une chance si jamais j'ai vraiment aimé ça. Je comprends, il va le faire deux fois. Là, ouais. Mais, euh, mais tu sais, j'avais 15 ans, j'adorais, puis j'en ai presque un peu plus que 20 ans de plus, puis c'est le même... Ah, tu veux jamais dire ton âge. Non, j'aime plus ça parce que Douane nous écoute. C'est et... très drôle. C'est pas dire tournant. Non, mais, je... mais, mais genre, je commence à être dans la pente que c'est triste de faire ça. Puis quand même. Un... Non, 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 Puis quand raconte. même, j'assume. On a du fun, C'est pas vrai. Là, ouais, mais... Puis Twister, ça fait partie de ces films-là que. Tu l'as vu quand tu l'as vu? Ben, à 100, à 100% Ah, yes! Mais ben, c'est sûr. Faux. Je considère que c'est des films non, que. Je suis Pour vrai, je suis d'accord. Faux. Ouais. Faux. Je comprends. Faux. Faut y aller en 4DX parce que tu vas pas aller voir. Tu fait ça? Ouais, c'était quand même dull. C'était quand même dull C'était quand même vraiment genre non c'était comme un ciel vibromassant mais d'avion tu sais comme j'aimerais juste euh, <laughs> une parenthèse je sais pas qui confectionne les sièges vibromasseurs mais ils ont jamais eu de massage à leur vie parce que c'est pas ça la sensation de se faire masser non pour vrai une... <laughs> une bille, une balle de billard non c'est pas ça qui te, te scrapent la colonne. Non, c'est pas ouais. ça un massage. Non, non, je sais. Ils ont, ils ont jamais, jamais, jamais été massés. Ce Mais monde ça, j'ai hâte de l'intelligence. Ça, j'ai hâte de la robotique quand ça va devenir comme des vrais doigts là, qui vont te masser. Pour vrai, ça s'en vient. Là, ça va être le fun. Ça, c'est comme la Mais machine aussi avec les jets d'eau. Je sais pas quoi tu parles. Oui, tu te mets dans une machine. Je, je répète, il <laughs> y a moi, des je... jets d'eau. C'est ça qui te masse. Comment t'expliquer Je ne fume pas de cannabis. fait qu'on ne regarde pas les mêmes vidéos YouTube. Je pense qu'il y a ça au Econo Fitness. La machine à jet d'eau. T'as de ça, le... ça à Orlando. J'ai pas le. T'as ça Orlando. J'ai pas le forfait. Oui, j'ai même pas le forfait, hey, même pas le forfait de douche au Colo Fitness. Ça coûte genre 4 piastres de plus par mm -hmm. mois. t'as je... oui, je... oh, une famille, puis. Euh... Ouais, non, non, je pensais que c'était juste famille. Genre, <laughs> le 4 piastres, sinon dans l'éducation de ma fille. <laughs> sinon, c'est pas le <laughs> Mais j'ai vraiment. Je sais pas pourquoi. Dans la vie, je peux, je peux dépenser, y'a pas de problème. Mais le Colo Fitness. Oh, une pièce de fils. Hey, mais mais tu sais que. Ouais, mais ben, je comprends pourquoi. C'est pas ce que j'ai dans la tête. Je comprends mais... pourquoi parce que moi, tu sais, j'allais au gym des stars. Oui. Puis là, je me suis inscrit au Econo Fitness en me disant ça va être pareil. Non. Pas pareil. Non. <laughs> pas pareil. Yo, 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 yo. Attends, attends, t'es mort, t'es mort. Tu vas pas au Econo Fitness à Longueuil, près du, ci, du cinéma. Non, j'ai essayé d'aller à celui de Schlag, puis ça a fait. Pas pour moi, pas pour moi. Ah, bateau, je ai aimé, moi. La raison pour laquelle j'y allais, c'était qu'il s'est ouvert 24-7. Ouais. Fait que des fois, genre, j'y allais pour vrai tôt le matin. Mm -hmm. C'était correct j'étais tout seul. Mais quand tu y vas à des heures de, de trafic, d'affluence. Pas pour moi. Ouais. Pas pour moi. C'est pas la clientèle, c'est il y a vraiment du monde. Ouais, il attend la machine. Ouais. ouais. Alors que le gym des stars, <laughs> c'est fucking cher. C'est avant... ça le problème. C'est ça le détail. C'est que c'est trop cher. Mais. Meilleur gym, Muner, euh, Muneris, qui est en notre immeuble. Meilleur ah, gym, il, ouais. est ah, oui. il est extraordinaire. Ouais. Il est extraordinaire. Il n'y a jamais beaucoup beaucoup de monde. Ouais. Il y a de la bonne, musique. la bonne musique. Il y a une bonne ambiance. Tout le monde se respecte. Des pros. Il y a des pros. Il y a des pros. Il y a des olympiens qui sont là. Ouais. Il y a des joueurs de football. Ouais. Tout le monde se respecte. Tout le monde respecte la bulle de l'autre. Même si tu juste quelqu'un qui veut juste commencer le gym. Ils nous commandent pas. Hein? Non, mais je les adore. Okay. Je les adore. Puis il y a un chien. Ah, il y a super un chien. Ça, un plus Il y a un chien qui se promène. Il ouais. est super doux. Il est bien élevé. Bon. Ça fait changement parce qu'il n'y a aucun chien à Montréal bien élevé. C'est pas vrai, ça. <laughs> il y a Olaf, le corgi qui passe sur ma rue, qui est vraiment incroyable. On le félicite. Ouais. Il y a... Euh, ma belle-mère qui était mordue. Pony était mordue. mon lit, ils sont C'est vrai, Pony était mordu. Mon lit, ils sont morts ouais. hein. des chiens. <laughs> élevez vos calices d'animaux. Ça n'a pas rapport à avoir un chien dans un condo. Ça n'a pas là, rapport. Là, Tu vas tellement te faire blaster. là. Okay. Tu n'as aucune idée. blaster moi il est pas heureux, ton chien. Il est pas heureux. Ça dépend. Pourquoi il est pas heureux? Dès que tu ouvres la porte, il s'en va. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il est plus malheureux de s'appeler Killer Rocky que <rire> <rire> dans un <laughs> Killer Rocky! À un moment donné, on tournait ici, le parc de l'autre côté. Oui. On tournait un sketch de Like Moi avec Yannick. Et, tu sais, Yannick, il est tellement deadpan. Dead, dead, dead mm -hmm. pis... Stoïque stoïque, que c'est très dur de savoir quand il vit une émotion. Mm -hmm. Puis c'est puis ça son génie comique. Mais à un moment donné, c'était dans le temps euh, que c'était vraiment polémique, là, les, les chiens en l'Est, les muselières, puis tout. Ah oh, oui, euh, c'était plutôt les, les Pitbull en fait. Les pit Et tu une fille, une fille qui euh, marche, on, 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 on est en train de, de, de répéter la scène, en fait, s'installer. Pis t'as une fille qui traverse le parc avec deux pitbulls. Mmh. puis Yannick, j'ai jamais vu Yannick de même. Il regarde les chiens pis fait « Hey, 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 wow, 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 wow. » Pis là, il monte sur le banc, puis il y a vraiment… Moi, au début, je pense qu'il pla... qu 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 niaise. Mmh. Je trouve ça très drôle. <laughs> puis là, je ah, fais « Je sais pas si c'est lui qui a dit, est d'être pâle ou toi qui a autiste, je peux pas comprendre. Non, mais… mais Comme c'est évident que le cas il a peur de deux pitbulls, s'il a... monte y... sur... Non, mais je veux dire, j'ai déjà vu Yannick dans mille situations… C'est peurant. Les gens qui ont peur des chiens, ils ont peur. Là. Non, non, mais là, ils voient. Hé, hey, hé, hey, hé, wow, Puis là, comme, ils il, oui, il, grimpe, il, ouais. il se grimpent. Puis là, moi, je trouve ça drôle. Puis là, à un moment donné, je fais, ah oh, non, OK, c'est une euh, vraie un peur. Oui, oui. Parce qu'il est fixe, puis tout. Mm -hmm. Et là, t'as la fille, qui, d'après moi, n'était pas à jeun, ce qui justifie 100 la, la panique de Yannick. La, la, la fille, elle fait... Ton problème un tabarnak avec mes chiens. Ah, oh, génial. là, Yannick, il est mal. Là, ça, confirme, ça confirme le problème. Il ben, c'est Ils sont ça. mal élevés. Là, là, là. Puis ouais, les chiens, il y avait des laisses en cuir euh, effilochées. Tu sais, genre. Ah oh, ouais, attire beaucoup. Ouais. Puis Ou comme plutôt, ils tirent beaucoup, les chiens. Puis clairement, ils s'appellent, c'est ça, le Killer puis Rocky, les deux. là. Il y en a c'est Killer, puis l'autre, c'est le nom de son ex. C'est Killer puis Mathias. Ouais, Killer puis Mathias. <laughs> 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 puis là. Le Killer, puis Mathias, il check Yannick, puis il... Yannick, il a peur. Puis la fille, elle engueule un peu, Yannick. Genre, en tout ton problème, c'est ça, avec mes chiens. Hein, ils sont corrects, ils sont bien élevés, mes chiens. Pis Yannick, il est comme, excuse-moi, j'ai peur des chiens, point. Mm -hmm. Je pense qu'il avait vraiment peur des pitbulls, pour vrai. Là, mais il avait peur, hein? <laughs> Parce que j'ai déjà vu avec d'autres chiens, puis c'était bien correct, mais, mais je pense qu'il a compris, la... il est intelligent. Ouais. Il a compris que la fille, c'était pas le temps de la vexer. Puis là, elle commence à être. Elle gueule. Puis là, elle voit les caméras. Puis fait. « Hey, vous prendrez pas des photos de mes chiens, mes tabarnak, oh, tu... okay, elle, 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 elle est plus oh, dans non, le monde. Non, là. C'est pas super. Là. Non, non, non. Et elle a pas arrêté de déranger le reste de la séquence parce qu'elle restait avec ses chiens. Fait que tu avais Votre Yannick. « Votre... Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que là, tu as Yannick qui joue, puis tu as les chiens comme à 15 mètres. Mais tu sais, un chien qui commence à courir, s'il t'arrache la face, c'est fini. Mm -hmm. 15 mètres, c'est rien. Mm -hmm. qu Yannick qui joue, il est sur le gun. <laughs> C'est quoi le sketch? Je me souviens pas. C'est un sketch dans un parc. Okay. C'était saison 4 ou 5. Mais il y en a qui jouent. Il n'est pas là. là. Il <laughs> y a, y a, y a, y a tout le temps l'esti de regard <laughs> sur le chien. Je veux trouver le sketch. Puis là, t as, t as, après ça, tu les, les caméramans. La fille qui, comme, filmez-moi pas. Puis qui crie à ses chiens dans le parc. Un truc pour ceux qui ne veulent pas être filmés. Euh, S'en aller des ouais, caméras. C'est ça, ces personnes-là, ils partent jamais. Hein? jamais. Non. « moi je... pas! Quitte! À un moment donné, j'ai fait un court métrage au cégep, puis euh, il y avait un itinérant qui arrêtait pas. Genre Quand il y a eu la même situation, il a remarqué qu'il y avait des caméras, puis là, il disait au début, il disait Fumez-moi pas, fumez-moi pas. j'étais comme Ouais, c'est oh, arrête de rentrer dans le Puis là, ça s'est transformé en Ouais, mais pas, je suis bon quand même, par contre. Fait que si tu me donnes quelques lignes, je <laughs> peux te genre... <laughs> Il essayait de me convaincre de <laughs> Non, mais je suis quand même talentueux, <laughs> j'ai une belle gueule. Oh. Euh, Aide-moi, là. Il oh. t aidé, ça va t'aider. Oh, c'est extraordinaire. Mais non, mais c'est bon. C'est ça. ça, ces personnes-là ne partent jamais. Ne partent pas. Non. Puis oh. là, il fa fallait que ce soit genre la directrice de la première assistante qui va voir la fille en question, qui en passant est habillée. Je vais décrire un peu comme elle est habillée. Elle avait des shorts en jeans coupés, mm -hmm. foncés, avec mm -hmm. des traces de marqueurs euh, jaunes, euh, une camisole. Avec comme des patchs de Ben cousus sur sa camisole. Euh, Rented. Genre. Puis elle avait du euh, vert fluo dans ses cheveux. Ah. C'était ce genre de fille-là. Wow. <laughs> mais... une, une candidate pour la CAC. Euh, oui, exactement. Puis elle avait deux, deux pitbulls. Puis comme elle est partie, puis je sais pas, là, mais j'ai jamais vu quelqu'un péter une coche sauf moi qui finit un show d'école secondaire. Ouais. C'était comparable. Qui est Elle a pété une coche ou Yannick Non, Yannick n'a pas pété de coche. Okay. Elle, elle a pété une coche en disant des... En... Je me souviens pas, mais c'était comme... « On peut plus vivre, esti !»« Chris, vous nous empêchez de vivre !»« Esti, on s'en Puis là, tu sais, c'était... Madame, on est là pour un ouais. avant-midi, il y a des panneaux partout, comme... C'est toi qui cherches un peu ouais. le trouble en ce elle, moment. Elle, pendant le, la pandémie, le port du masque, elle était pour, elle... elle oui, c'est ça, elle, elle, elle était pas... Elle, 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 elle à Ottawa, elle était pas là. Ben, juste, ben, elle voulait y aller, mais c'est savait pas comment se rendre. Oui, parce que Killer puis Mathieu... <laughs> Faut mourir ouais. <laughs> Elle était pas pour elle était pas pour le masque de Killer Mathias. Ah oh oui, c'est vrai, elle allait des masques aux chiens. Mais ben oui, en plus, ouais. c'était les pitbulls. C'était deux. Mais c'était deux pitbulls. Pas, pas genre cute. Là, comme Il mange de la viande. Fraîche. Mm -hmm. ouais, ouais, Elle leur donne du steak. C'était. Limite, il y avait le collet avec les spikes. Ah, c'était limite ça. Mais euh, Yannick, Annie qui dit Non, non, il me fait peur, ces chiens-là. Là, avec raison oui. Non non mais il hey, saute dessus c'est fini là t'as plus de face. Il a raison. Oui. Puis j'aimais l'argument des gens avec les pitbulls cela dit euh, qui disait « ouais mais mon chien il est agressif quand il sent la peur. Magnifique. Ben. Magnifique. <laughs> mon, mon préféré c'est quand il disait le problème c'est pas le pitbull c'est qui élève le pitbull. C'est cool. Les gens de gauche vont mettre le même argument que les gens de droite pour pour, pour les armes à feu c'est super. <laughs> vous, êtes, vous, êtes, vous êtes magnifique. <laughs> vous êtes géniaux c'est super. <laughs> Joignez-vous à la NRA, faites des conférences ensemble. Le problème, c'est. Ben alors, on dit la même. chose. C'est le monde oui. avec le Pitbull. Ouais, le... Mais, on... mais moi, mon Pitbull, je le mets dans une cage mm -hmm. avec un, un code. Ouais, j'ai pas d'acclimatiser l'été. Fait que là, il est super heureux. Ouais. Puis ouais. je l'enchaîne. Ouais. Mais Twisters, euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'aurais aimé dire ça. On oh, revient euh... à Twister. Ouais. Parce que c'est oui. un film que je vais recommander en 4DX, 6 max, 3D. Il n'y a pas de 3D, mais le plus. Non, le, non, le, le, le plus. L'effet m'indient, l'effet m'indient. Non, mais ben oui, là. mais le plus effet sensoriel possible, allez voir ce film-là. Parce que le scénario, en fait, c'est ça que je n'ai pas mais aimé. Il y a des boules chinoises. Ouais. Ça les regarde. Ils ont le faire, ce qu'ils font. C'est que. Y a, y a, y... Pourquoi tu ne pas pris Tu pas, pas pris que des boules chinoises Non. Coupe pas! Parce que. Coupe le 15, gang. Boule chinoise. Cannabis. Mais il va se passer quelque chose. mais après, il... envoyez des photos à fil il va triper. Non. Mais ils vont, ils vont. C'est que. C'est un film paresseux, j'ai trouvé. D'accord. C'est ce qui est super drôle par rapport à un film d'action c'est tornade. Oui. Ils sont paresseux. Oui, parce que dans le fond, ils ont repris exactement les mêmes archétypes du premier. Littéralement. C'est juste que là, on suit pas un gars, on suit une fille. Le gars dans le 1, c'est le gars qui s'est domestiqué, qui redevient un peu cow-boy. Là, dans le 2, c'est la fille, mais là. Puis là, après ça, elle commence chez les méchants. Puis t'sais, les allusions Attends, aux méchants. Les méchants. Ben oui, les, méchants le 1, les méchants? Les méchants, les Les méchants, c'est pas la Jonas. tornade. Non, les... non, j'ai jamais oui. vu fume T'as jamais vu Tornade? Non, j'ai jamais vu Tornade. Je fume pas, je te l'ai dit. T'as jamais vu Tornade jamais 1 vu avec Ellen Hunt? Non plus. Ah, j'ai juste vu une série. Helen Hunt est tellement incroyablement comme attirante dans euh, Tornade 1. Là. On l'a salue. Oh, J'ai ouais. vu Une séquence où il y a une tornade, il y a une maison, puis en pick-up, il passe au travers d'une maison dans pas les tornades. dans Zorn. Tornade 1, ça. Mais dans une tornade, là. C'est pas dans Tornade. OK, mais je... Ça, c'est dans probablement le film avec John Cusack <laughs> ah. qui s'appelle ouais, oui, chauffe... 2024, puis il chauffe une limousine. Je me Bref. Mais dans Tornade 1, il n'y avait pas tant que ça de cash pour passer à travers une main. C'est vrai qu'il y avait une, une vache. Hein? Ouais. Tornade 1. Tu vois la même vache deux fois. Mmh. Ouais, c'était bon, ça. Ça, c'était vraiment bon. En animal, 96, hein? c'était fou. là. Voir une vache voler en 96, je suis désolé, c'était malade. C quelque chose. Les effets spéciaux numériques ont moins bien vieilli ça, dans Tornade 1. Euh, C'est pourquoi les effets spéciaux numériques sont moins bons que, mettons, en 2004-2007? Non. Ils ont réalisé qu'il y, qu y avait un talent, les gens qui étaient du numérique. Ouais. Ils ont vu se syndiquer. Puis à lau ont fait « Ah oh, ouais, vous vous syndiquez, vous voulez des bonnes conditions de travail. » Non. Puis ils ont juste donné ça à du monde qui est payé moins cher. Fait que les films ont décliné de qualité. Ah ouais? ouais. Puis euh, c'est beaucoup, beaucoup… Euh, des Caraïbes. Parce que Pirates des Caraïbes… Ouais, ben, c'était fou, ça. C'était fou. c'était plus fou, c'est que les producteurs ont fait « Hey, le monde, ils viennent pas voir les effets spéciaux. Ils viennent voir Johnny Depp déguisé en pirate. Je te paierai pas, toi. » Ah, ouais, ben ouais. quand même, je trouvais que c'était une adéquation. C'était génial. Je veux dire, la barbe du gars, c'était génial. Mais là. oui. Mm -hmm. Mais. Euh, Aussi, il paye en plus, les artistes. C'est Jerry Bruckheimer, il me semble que réaliser. Non, il produit, lui. Le produit, puis c'est Disney. Pirates des Caraïbes, c'était Disney, Disney et Jerry Bruckheimer. Oui, parce que ça, ça vient d'un film qui a C'est de... lui, les crosseurs. Tu vois, qu'elle disait que Disney, ils ont crassé du monde. Ouais. Jamais. Ah, ouais. Non, mais. <laughs> parce que <'il> payer <laughs> un popcorn, 45$ US. Ça, c'est pas eux autres. Ça, c'est des, des salles. Non, non, c'est désigné aussi. tas tu vu les prix à désigner? Ah! Oh! Il y a une affaire. Tu sais, on va parler des red flags. Ouais. Là, je sais que ça va être litigieux. Ouais. Mais si. si J'ai remarqué deux choses, puis là, il y en a une, je suis totalement fautif. Ouais. Si tu as trop d'une affaire, tu sais, comme, tu as trop d'une affaire déclinée. Genre des chaussures? Euh, ouais, mais mettons, tu pas juste exemple. des souliers. Tu des posters de souliers, tu des vidéos de souliers, tu des livres de souliers, tu sais comme tu des horloges en souliers, tu tout souliers ou Mickey Mouse ou les Simpsons, ou tu sais trop d'une affaire Red Flag mais ça je suis un peu fautif. Red Flag de quoi Ben Red Flag genre ça, ça va être limité les conversations peut-être. Non, les gens que je connais qui tripent vraiment quelque chose. Il yeah, a Non mais tu une, une section, tu une section dans la maison. Soit ils le savent. Oui, tu as une section mettons, dans la maison, euh, mais c'est après ça, c'est le reste de la mettons, maison. C'est un salon au nord qui capote sur les. Oui, mais c'est ça, des de ce que je comprends. Oui, de... oui, mais moi, j'ai plein de souliers, j'ai plein de livres, ouais. j'ai plein d'affaires. Sauf que j'ai n'ai pas comme, mettons, on va dire Mickey Mouse. Ouais. J'ai pas un poster de Mickey Mouse, des T-shirts de Mickey Mouse, des souliers de Mickey Mouse. Non. des, des... Je suis pas collectionneur, au contraire. Mais je... gloire à vous, là, les collectionneurs. Oui, mais c'est pour ça, mais je fais. Ça, c'est juste un mini red flag. Un vrai red flag, c'est les madames, les filles. Souvent, j'ai remarqué, des filles. Qui ont un cartable pour les Disney Axe, puis là, ils font des vidéos sur Instagram pour te dire comment passer une belle journée à Disney, puis tu te réveilles à 4h30. Ils son, sont millionnaires, ces faits-là. Oui, mais je ne veux pas vivre avec une millionnaire qui est millionnaire parce qu'elle a fait un cartable pour ben, comment vivre ma, à Disney. Ma blonde, elle, elle aime beaucoup. Elle fait, elle fait, elle fait, Après, ça, elle, je salue, elle salue elle ton sens d'organisation. l'organisation, je salue ta passion, je salue ton attention pour ta ils sont, famille. Ils sont, sont payés pour ça. Là. Je, je salue plein d'affaires, mais moi, pas un univers dans lequel je serais à l'aise. Je serais pas capable d'être le mari qui s'appelle souvent Derek ou Mark. Sont souvent des, souvent des hommes, leur mari, c'est souvent des hommes dans le placard. Souvent. Leur mari, c'est souvent des hommes dans le placard. Pourquoi Alors, Parce qu'ils pas de tu, sur tu, Small World. Tu es de ce que tu vois. <rire> <rire> Salut, c'est mon mari. Tu... Oh, oh, OK Est-ce qu'on est tous Disney Je pense que le mari, c'est le gars dans Florida Project qui va voir les prostituées. Va... Non, non. C'est plus le gars. Il est super gentil que sa famille. Euh... Il est super cool, mais le soir, il va parc se faire sucer par d'autres gars. Puis la femme le sait. Elle se dit, il est gentil avec moi. Ah ils ouais, ont... tu penses? Oh, ouais. Ils, ont, ils ont souvent des époux. Euh... Ah ouais? Oh, oui. Mais ça, c'est un red flag, être gay? Non. <laughs> <laughs> c'est ça ce que tu dis hors d'onde. Ben, comment dire? <laughs> être homosexuel, génial. Avoir. Mentir à ta femme. Puis avoir des relations homosexuelles dans le noir. Avec des hommes que tu connais pas. Je sais pas. Je pense que c'est particulier comme, comme manière de vivre. Mais si, si ça te rend heureux. Oui, mais il y, y, y a du mensonge là-dedans. Peut-être. Je te souhaite pas une vie un... de mensonge. C'est ça, il y a du mensonge là-dedans. Sauf pis... que Kyla, Kyla, qui, qui soit c'est des filles de même. Souvent. Qui. qui. Il y a Il y a beaucoup de niches dans ces vidéos-là. Il y en a qui, c'est juste la nourriture. Il y en a qui capotent sur. Dès qu'il y a une nouvelle collation, ils, pis ils vont. vont. Puis ils raident. C'est ça. Puis. Pis, mais moi, ah, si vous voulez rire! Si vous voulez rire! Splash Mountain a. Ah oui, il y a un canon que tu peux <laughs> arroser le monde! Bien que ça! Splash Mountain a été remplacé par un manège à la. Euh, un truc dans, dans l'eau a été remplacé par un truc de Lilo et Stitch. Les commentaires YouTube, c'est des insultes <laughs> violentes. Pour vrai? Oui. Et, euh, ma, ma blonde, a, le soir, elle en prend là. Ah, ils euh, sont pas contents, les euh, gens. Mais de la violence! c'est des, des gens de 34 ans. C'est de la violence. Est-ce qu'il dit. C'est sûr qu'il y en a qui sont comme J'ai vécu les plus beaux moments avec mes parents qui viennent de mourir dans Splash Mountain. Non. Pire que ça. <laughs> commentaire. Steph là. Prends là photo. Rapidement. Okay, elle, ouais. mais je, 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 je sais comment animer un podcast. Puis je sais comment passer à mes affaires. Puis mais j'ai pas de commentaire de Disney sur mon téléphone. Mais. Top. mais cool. Affaires, Mais j'aime beaucoup Daisy Edgar Jones en passant. Je trouve que ça c'est un commentaire hein? parce que Splash Mountain a été remplacé. Okay. Used to be Splash Mountain, then the mouse pulled a Lee Harvey Oswald and assassinated like it was trying to put Lyndon B. Johnson into office, killing our childhood alongside of it. <laughs> Cette personne-là va bien. <laughs> Cette personne-là a vote. <laughs> <laughs> Elle va bien, cette personne. Je veux la rencontrer. Je veux. Parce que c'est le même genre de monde que. Mettons, là, le prix du popcorn corn monte de 50 cents, puis ils font un scandale. Mm -hmm. C'est le même monde, ça. Oui. J'aime ces gens-là. C'est eux. C'est le filet social. C'est eux, le vrai filet social. C'est eux qui font en sorte que tout reste accessible. Parce qu'ils se battent pour que Splash monte. <laughs> c'est quoi? Lilo, Lilo franchement... and Stitch, c'est le Oswald. Le nom de Mouse, c'est euh... ben, c'est euh, Lilo. Non, c'est Mickey. Mickey. Ah, mais de Mickey Mouse, Mouse. Mickey Mouse. Ouais, la, la, la souris. Ah. Si t'aimes Walt Disney mais pas Mickey Mouse, qu'est-ce qui se passe là C'est ça, ça va ensemble. Mais c'est tu... ça... comme les Avengers, c'est que ça peut pas être ton préféré. Je t'entends. Ça, ça peut, mais ça, ça pas. Part... Un peu de là, tu sais. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que je te dis? Moi, j'ai été à Disney World à 5 ans, puis j'ai Au, au départ, Mikimar, il était censé s'appeler Mortimer. Yeah. c'est l'épouse de Walt Disney qui a fait. C'est pour les enfants, ça? Uh -huh. Je ne l'appellerais pas Mortimer. Mortimer. <laughs> Mortimer? Ouais. Hey, c'est Mortimer la souris! Pas sûr. Mais euh, ouais, c'est là que j'ai rencontré mes plus grandes idoles ever: hein? les World Tortues Ninjas. C'est Disney? Ah ouais. Ah, ben, ou Universal, mais en tout cas, une place pas loin. J'ai rencontré mes. Puis comme j'ai des oui, photos. Vrai. Ben, Leonardo. Okay. Mais. Euh... En passant, les armes des Ninja Turtles, ah, pas égal, avoir. Non. Parce qu'il y en a un, il y a un bâton. Ouais. Ça, c'est Donatello. Ouais, il y en a un autre. Il y a deux épées. <laughs> ça, c'est Leonardo. Il y a deux épées. Mais le, le, le plus le fun, c'était Raffaello parce qu'il était comme un peu bad boy méchant. Ouais. Il y avait les, les pics, là. Oui. Euh... Puis t'avais les deux, nunchaku c est, c est les tridans, avec Michelin, les tridents, puis t'avais Michelangelo qui avait les euh, les nunchakus. Qui les lames pour se faire mal soi-même? Ouais, mais lui c'était un peu le, le comic relief. Ce qui sont tous drôles, mais lui c'est le plus drôle. Non, de mais Donatello c'était le sage, euh, Raphaello c'était comme l'agressif, puis Leonardo c'était comme le master Là, un peu. C'était Ouais, un peu. Puis Leonardo c'était le best, mais en tout cas je les ai rencontrés, je capote. Genre j'ai des photos j'ai leur, leurs, leurs autographes pour je vrai dans mon carnet. Dans mon carnet, j'ai encore. Un... Puis Leonardo, genre le L, c'est deux katanas. Très C'est malade. Je serais un horrible producteur. Parce qu'il y, y, y a une personne qui se trouve dans moi, que j'ai une idée pour toi. C'est quatre tortues ninjas adolescentes qui font, du... qui font des arts martiaux et qui se battent avec des mots. Ils vivent dans un égout, ils capotent sur la pizza puis c'est un rat qui les a élevés. Je fais, ben non. Je ok, suis... puis maintenant je te dis, check my mindset, deux bananes. Ils habitent ensemble. Comment ils s'appellent? B1. Puis l'autre c'est B2. Ah ben oui. Puis attends, attends, attends. <laughs> Leur euh, skill c'est d'être en pyjama. Puis en fait, chaque émission, ils descendent le, c'est ça la tune, <laughs> <'est>... <laughs> ils descendent. Puis comme ils rencontrent des enfants. Attends, tu connais tout ça Julien? Ça, je sais même pas de quoi qu'on parle. Ah, ça, il est les, trop bananes jeune. les bananes en pyjama. Mais c'est des bananes en pyjama. Ben, a... C'est deux bananes en pyjama qui disent allô, on est des bananes en pyjama. Ouais. C'était une émission éducative. T'as bas... rien appris, man. T'as rien, en... ben, ben, rien appris à Pour part... vrai, j'ai appris qu'il y a quelqu'un... Je vais aimer que... le psychotropes trop plus tard. Non, il y a quelqu'un qui a comme un sens de la vente exceptionnel. <laughs> il est fort! Il a moyen de faire de l'argent avec pas grand-chose dans la vie parce ouais. que c'était ça. québécois ou américain? C'est américain ou canadien. Oh, C'est quoi ouais. le nom? Les bananes en pyjama. Les bananes en pyjama. Y, y arrive pas, il n'acceptent pas. il n'acceptent pas. T'es aussi niaisé que ça. C'est ça. C'est <laughs> deux bananes. Non, non mais c'est plus que ça. Non, non, il n'y a rien. C'était deux bananes. Ouais. Puis. Des en pyjama. C'était des mascottes. Oui. Étant pyjama. Il y avait un dessin animé. Il y avait en vrai. Non, mais mascottes. ça n'a pas marché. Le dessin, c'était meilleur en vrai. Ouais. Puis c'était deux bananes. C'était dans le temps de Barney, genre. Puis c'était deux bananes. B1, B2. Ouais qui est un peu retardé mental pas là, mal les pas deux, mal ouais, ils, ont pas, ils, ont pas, ils, ont, ils ont pas de job non ils ont c'était ouais. tough ils n'ont pas qu'à les ils autres. reçoivent des enfants puis ils passent la journée avec des enfants dans la maison ouais je t'en ai pas va on invente pas un de des dessin animé non vas voit ce des bananes en pyjama C'était des gigantesques bananes ouais c'était jeu c'était éducatif un peu Genre. zéro ça, ça, ça se voulait là non c'était pas éducatif c'est que t'as appris je sais pas. C'est pas éducatif, mais on l'écoutait qu'on avait le, le comme 13 Le bus hein? magique, c'était nettement plus éducatif. Je suis d'accord. Ton épisode préféré du bus magique? Quand il rentre dans le rectum. Qu'est-ce qu'il y a? Le boss ou. Ouais, ouais, oh, le, boss. le boss! Attends, ça, il ne pas le bus magique! Je ne connais pas les. Ben oui, ça, ça me dit quoi, mais j'ai pas compris. Oui, c'était madame, euh, je ne sais pas comment bien ça. Il y en tête. Oui, qui, elle, elle avait un bus magique. Ouais. Puis, genre, les enfants, ils étaient à chier à l'école parce oui. que 7 ans. Dans... En même temps, j'aurais pas voulu changer de classe. Moi, être parent, je <laughs> rentre dans la classe. On dit, là, tabarnak, <laughs> là. Rentrer des anus de l'autre étudiant, c'est fini, calice. Là, on va aller explorer le sel, maintenant ouais. on va aller dans l'espace. Non! Là, là, tu vas apprendre la. Pourquoi mon enfant, il ne sait pas compter? <laughs> mon enfant, il ne sait pas compter! Mais ici, c'est quoi des plaquettes de sang? Ouais, c'est pas bon, là! <laughs> <laughs> CALIS! T'enseignes <laughs> tout cr... il sait pas lire. <laughs> Par contre, il sait le système digestif. Tout est à l'envers madame. Ouais, puis il y avait tout le temps des aventures où il frôlait la mort. Toujours, tout le temps. Toujours. Okay, mais by the way, les bananes en pyjama, c'est terrifiant. Là. Genre, non, non c'est malade. Je regarde ouais, des photos pis ça me fait vraiment peur. Il y a des donc. gens qui sont assurément ils ont, ils ont développé comme un kink avec les bananes en pyjama. Mais bananes en général, c'est un kink. Tu penses-tu qu'il y a des gens On t'écoute. <laughs> si je vais sur sur Pornhub, je tape banane en pyjama. Julien, Julien, tu as une mission. Tant que c'est contre les normes du travail, je pense que c'est contre les normes, parce que je pense pas mal. S'il te plaît. ça, s'il y a des gens qui sont payés pour nous écouter, on vous salue. Personne n'est payé pour nous écouter. Personne n'est payé pour nous écouter. Bananas in pyjamas 69. Ah non, non, en français, en français. on dit bananas in pyjamas. Au Québec, c'est. Ça existe, tu y a-tu de quoi pour vrai? C'est ton sel. Ah, la barnacle. faut que je fasse attention à ce que je montre. Mais il y a des titres de ça, mais c'est pas, pas ça quand <laughs> que je clique dessus. C'est pas ça qu'il se passe. <laughs> c'est pas ça qu'il se passe. <laughs> non. C'est <laughs> pas. Les... Ouais. Ah, oh. attends un peu. Mais là, je suis rendu ça à page 3. Il y a-tu euh... quel. Non, mais t'es plus. Page, page 3, non, page ça. 3 okay, ça va être okay, bon. Non, page 3. Qu'est-ce que non, non. tu vois, non, Julien Décris-nous qu ce que tu vois. vois. c'est les offres de lui-même. Oh. Qu'est-ce que tu vois, hein Qu'est-ce que tu vois Julien des ciné rien vu Tu as rien vu <laughs> okay. Non non non. Et nous on découvre ça, ça veut dire que... <laughs> quoi, tête. pour les noms les noms Si y a des avocats qui nous écoutent, écrivez à Julien. Vous pouvez poursuivre le studio bien entendu. <rire> 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 je Euh je t'ai vu j'ai permis. Non non ah, attends c'était Julien c'était rien de On e... a brisé Julien tout le monde. Mais j'ai <laughs> brisé. Oh, ouais, ouais <laughs> j'ai rien lu. Mais c'était rien de, de pas correct, je sais à dire. C'est quelqu quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup les. Les, les, les bananes? Ouais, ouais j'imagine. 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 <laughs> ah, non. <laughs> il cligne pas des yeux, hein, depuis. J'ai mis la lèvre qui bouge tout seul. Ah, je sais pas qui fait les il a peur dans l'allée des bananes, des fruits et légumes. Ouais. Mais en tout cas, il y a du monde motivé, hein. C'est c'est ouais. ça la conclusion. Euh... <laughs> c'est ce que je Il y a du monde motivé. De ton voyage à la page ouais. 3. burn-up <laughs> <laughs> de, <laughs> de banane en pyjama. il y avait plus de bananes ou plus de pyjamas C'était quoi <laughs> Oh, y avait pas beaucoup plus de pyjamas, pyjama, je te dirais. Ils ont laissé ce côté-là, de... ils ah! ont laissé ça là de côté, je te dirais. C'est cru! Je dis il au pluriel, hein? on s'entend. C'est aussi le nom de l'épisode. Les bananes en pyjama, C'est Le nom de l'épisode. Ah. Les bananes en pyjama. On en parle ah. entre 1h et 10. rends ouais. ça, deux princes. Mais bravo, Julien, pour ton exploration. <laughs> bravo, Julien, qui découvre un côté très <laughs> sombre de l'humanité. La, <laughs> la page 3. La page 3. C'est le plus loin que tu allé chez Pornhub. J'aime je sais pas, pas, que ai pas rendu... ça, aller sur Pornhub? Une fois, une fois j'y étais <laughs> euh... pour voir Jesse Jones. <laughs> <laughs> je suis T'as inventé quoi? <laughs> ah, c'est pas impossible qu'il ne t'écoute pas. Hein? Puis il vient faire le saut dans son chat. Non, mais, mais parce qu'il y a tellement d'histoires incroyables. Oui, 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 oui. Fait que j'ai tapé Jesse Jones. Okay. Je voulais voir sa carrière. Parce que ok, Je pensais qu'il allait raconter d'autres histoires. <laughs> mais non, mais oh, j'étais comme, que... ah oh, shit, tu sais, ce gars-là, il. Écoute, ça fait partie de nos stars qui rayonnent à l'étranger. Puis, oui. <laughs> puis j'ai été voir. J'ai autant d'aventures que, je... que Jules Verne. Ben, au moins, ouais. des fois même, c'est même, je te dirais, plus spectaculaire qu'il y ouais. avait milieu sous les mers. Puis là, je voulais voir s'il y avait l'affaire avec... Euh, euh, J'ai juste Wiz Khalifa, là. Euh, non, c'est le... Ça, c'est euh, Mia Khalifa. Mia Khalifa. Oui, c'est une... autre chose, ça. Ouais, qui avait le, le sniper. Il raconte ça, à un moment donné, il fait une mm. scène avec euh, Mia mm. Khalifa, ouais. puis il voit des points rouges parce qu'il y a des snipers. Fait que j'étais comme, oh shit, ça a dû être capté, ça. Parce que c'est sûr que, je pense qu ont dans le monde routes, de la ouais. pornographie, c'est un plus à voir. Pour Lui avoir parlé un peu hors cam quand il est venu au studio, je pense que c'est pas tout vrai. On sait pas, mais non, c'est pas non. J'ai pas envie que tu fasses des TikTok. Non, 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 ce que tu dis, c'est vrai. Jesse, c'est génial. Non, je veux pas, non, 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 non. Si on met non, 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 Jesse Jones, j'ai jamais rencontré moi. Je reste peut-être un peu d'info, non, 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 j'ai pas envie qu'il fasse des TikTok sur nous autres, non, non, Julien. Mais pas dans cette situation-là. C'est un grand homme. La seule Matt fois que j'ai été, été sur Pornhub... Yo, t'es tellement grand, t'es la seule fois. Pourquoi? À part ça, il est pas gay. Mais la seule fois qu'il est sur Pornhub, c'est pour voir un homme. Mais ça, ça n'a rien à voir. <laughs> c'est pour voir, en fait, les films comme il y en a dessus. Parce que. la. la, la... Si on appellerait ça des films? Là. Mais des courts-métrages, est-ce qu'il y en a fait... <laughs> Est-ce que hey, est tu qu'est-ce que j'ai jamais vu d'un film porno? Un bon scénario? Non, rien n'est des bons. Euh, un de mes préférés, c'est J'ai jamais vu de générique. C'est vrai. <laughs> je sais même pas s'il y a des génériques. Mais un des <laughs> meilleurs, c'est l'accident de Frisbee. C'est un film australien. Parce que j'avais fait à un moment donné des. Des, 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 des recherches. Des, non, mais. Euh, des, des petites capsules genre euh, cinéfil où je faisais des critiques, mais comme des films pornographiques, mm -hmm. mais comme c'était des grands films. Euh, c'est très j drôle. J'en avais trouvé un. c'était ça, c'était un accident de Frisbee. C'est deux vins qui jouent au Frisbee. <laughs> puis il y a un gars qui reçoit le Frisbee, puis t'entends. Mais comme vraiment comme dans comme. Twisters, là, quand t'as comme un, un, un pylône qui rentre, puis là, il perd connaissance, puis pour éviter euh, de se faire poursuivre, les filles font euh, On est prêt à faire tout ce que tu veux, puis là, il fait tout ce que je veux. <laughs> ah, c'est bon. Moi, j'aime ça. l'amour la, bon, règne. Vrai, je vais aller me promener au parc, puis j'espère je recevoir, recevoir un. J'aime ça parce que. J'ai jamais tu connu personne tu... qui. est... Ait... En cours, action soute! Excusez, madame, j'ai reçu un accident de frisbee. Et je veux 80 000 Je veux 80 000 parce que ces deux femmes-là m'ont lancé oui. un frisbee d'en face. Ça arrive pas souvent. Ben c'est ça. C'est plutôt puis, rare. Puis c'est très rare aussi les f... un gars qui perd connaissance à cause d'un frisbee. Ouais, va, va chez le médecin. Oui. T'as as, as une lacune ou un quelque problème. chose. Oh, ouais. Puis c'est très rare aussi les accidents de frisbee qui finissent, en, en, d'après moi, en. en... Tout, c'est ah. bon. Ça, 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 ça c'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible. Ça, c'est pas, pas impossible. Là. J'imagine une jolie femme qui voit un. Ben, un joli en même garçon. temps, c'est ça. Mettons, mettons, mettons Léo DiCaprio reçoit le frisbee, peut-être ça finit de même. De même. Ou, si t'es une femme Moi, spectaculaire et tu lances des frisbees en face à des hommes, c'est manière... mieux que Tinder. Vos parc Tu ouais. lances des frisbees en face des gars que tu trouves sexy. C'est quoi, quoi la pire de... tactique que tu as faite pour approcher une fille dans un parc ou sur une plage J'ai jamais, jamais fait ça. T'as jamais fait ça Jamais. T'as jamais joué au soccer puis là, à un moment donné, le jamais. ballon est arrivé un peu proche. Jamais. T'as jamais fait ça Jamais fait ça. T'as jamais essayé d'approcher une fille subtilement mais maladroitement? Ah oh oui. C'est les... quoi la pire fois? Dans les bars, j'étais pas bon, là. T'envoyais des bananes, puis tu disais, j'ai le pyjama. Ou t'envoyais un pyjama. ça, ça aurait ça, marché. Non, c'est mieux. envoies le pyjama, puis tu fais, j'ai la banane. C'est bon. Toi, tu faisais juste envoyer des shots? Non, avait non, avait non. ne pas je, je, poésie, non, non, parce que je n'avais pas d'argent. Je ne voulais pas, pas faire croire, genre, le hasard nous a menés. Non. Non. Mais, ben, tu sais, comment j'ai rencontré Steph, c'est pathétique. C'est elle qui est venu vers moi, puis je l'ai repoussé. Fait non, t'sais. ça, c'est un plus. Ouais. Ils le disent, tu as fait, genre, euh, tu as été par la négative. On peut voir ça comme ça. Oui, oui. Fait que là, fragilisé, il faut que je me reconstruise auprès de ce gars-là. Tu sais, il faut que j'y prouve que je suis, je C'est tout, tu sais, c'est brillant ce que tu as fait. Ben je sais pas si c'était prémédité. Non, ah, c'est ça. Non. Peut-être c'était impoli. Non, c'est méchant. <laughs> oui, c'est ça. C'était mm. pas positif. pas Positif. Euh... Tu n'as jamais genre lancé une balle de baseball Je peux pas la... Non, non, je lance pas des objets chez les femmes. Non, non, malheureusement, j'ai jamais lancé une balle de baseball dans le ventre d'une femme en disant t'es jolie. Pourquoi, comme pourquoi tu es jamais… Pourquoi faut, l... faut pas lancer une balle dans, dans le vent va... dans le ventre d'une femme. Toujours. Non. C'est le côté. Ah oui, une balle une rapide. Courbe. Une courbe. Non. Mais tu sais, tu joues au spike ball. Mais déjà, tu, tu joues au spike ball. Il a aucune, tu femme que ball, ball, aucune femme qui vous Aucune femme qui Là, après, genre, tu lances la balle pour qu'elle rebondisse, genre, pour qu'elle tombe proche de la table des chicks. La table des chicks? La table des chicks. Dans quel monde tu vis? La table des chicks? Tout le monde sait de quoi je parle. Non! la tu sait des... de quoi je parle? Euh, ouais, ben au secondaire, mettons. C'est ça, là, la table des, des y a chicks. Pas vraiment ta... Mais il y a du monde qui font ça, mais sur les réseaux sociaux, maintenant. La table des chicks? Non, genre, tu DM une fille, puis tu DM juste un emoji de ballon de basket, puis tu dis, ah, oh, excuse, mon ballon, il est tombé. Ah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas je mauvais. Je sais pas à quel point ça marche. Je mais... sûr que non. Jamais. <laughs> <Ça> jamais. <laughs> ça <marche> jamais. <laughs> euh, voici ce que j'avance. Quand t'es super beau, tout marche. Ouais, ouais. c'est ça que j'allais dire. Ça, ça marche. Euh, ouais. Des fois, je... oh. ben, c'est la joke d'Amy Schumer avec Kate Upton que j'adore, qui est comme, son ami, euh, elle va au basket, puis genre, son ami parle à Kate Upton. <laughs> Puis il, ouais. hey, il dit, « full drôle. » Puis il dit, « Qu'est-ce qu'elle a dit de drôle ?» Puis on parlait qu'on jouerait au pool, puis elle a juste fait, « Be ready. » Puis là, dis dit, hey, « c'est drôle en tabarnak. <laughs> » C'est vrai que non, je comprends. Non, je comprends. Je comprends. Ou parce que tu peux pas dire, « Ah, oh, elle était super excitante, puis j'aimais ça dans, dans même pièce qu'elle. » que... Non, non, elle est drôle. Je comprends. C'est comme Dua Lipa, été hey, la rente. Je suis convaincu <laughs> qu'en fait, des, des, des jokes... Euh, Nationaliste albanais. Non, mais ça, c'est sûr, c'est drôle. Moi, de l'humour nationaliste albanais, je suis preneur. Je suis 100 preneur. C'est pas raciste, puis violent. Je sais pas. Ils ont été victimes d'un génocide, hein? Oui. Oublie pas. À chaque jour, je pense. Au génocide? Oui. Tu fais bien. chaque jour. Tu fais bien. chaque jour. C'est pour ça que j'ai là Tu te dis comme Chris. Ils n'ont pas fini la job. C'est ça. C'est ça que tu te dis? Ça dépend des jours. Ça dépend, ça dépend des choses. Ça <laughs> oui, Ça évolue à chaque fois. En jour, plus, hein. c'est l'Arménie, le vrai génocide, mais les Albanais, il me semble qu'ils ont participé ça, vrai, à la les, les vrais génocides, juste tuer beaucoup de monde. Ben, c'est vrais... Mais euh, le, le drapeau de l'Albanie, je trouve que c'est un des meilleurs drapeaux euh, en passant. Là. Au, au début, moi, je pensais que c'était le drapeau d'une équipe de soccer. Mais pense... c'est vrai qu'il pourrait... Euh... Ouais. Ou, euh, ouais. on aurait un bouclier d'un... Ouais, ouais, bouclier ouais. d'un chevalier. C'est comme l'aigle à deux têtes, sur un noir sur un fond rouge. Je te le dis, Julien, pour que... C'est imposant. T'as une autre image que Bananas page 3. <laughs> J'avais oublié ça! Pas <laughs> <Faut> lui! Lui, en regardateur! Qu'est-ce que nous, on écoutait que ça, 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 ça va perturber? Euh, Julien. Ben, Barney, sûrement. J'écoutais pas Barney. Non, c'était nul, Barney. Mais on dirait pas un drapeau nazi, un peu? Ah, oh, come on! Vous allez bien, là! Non, mais Julien, de tu les... pas dire ces mots-là? Les aigles des deux bords, c'est pas comme des, des frères d'armes allemands, ces drapeaux-là? Je sais pas. A, je suis pas au courant des connographies. Il y a beaucoup, beaucoup d'aigles dans le ouais, pays. là. Oui. C'est un, un beau drapeau. Pis doit... Mais oui, c'est vrai que ça fait pas très de pays. En fait, fait Kosovo. Elle, elle vient du Kosovo. Pour moi, ils ont vraiment. Quand ça... okay, on le dire, le drapeau de l'Albanie, on dirait le logo d'un restaurant au Moyen-Âge. Non. Oui, genre. D'accord, Julien. Non, on dirait un restaurant médiéval. C'est ça, on dit la même chose. Ah, OK, mais tu pensais que tu disais au Moyen-Âge. Bref, on dit la même chose. Hein? Irais-tu? Ah! Euh... Oh! Deux princes enregistrés là. Oh, là, notre place. En Albanie? Non! Oh! <laughs> dragon Rouge! Je sais pas comment ça s'appelle. Oui. Yo, là, notre place. Ben moi, j'ai toujours proposé Adonis. J'attends les développements. Il que je fasse tout. Ben oui! <laughs> Il n'est pas encore en ligne. En passant, je peux faire mon classement d'Adonis finalement. Ah, on t'écoute. OK. Euh, je trouve que, mettons, le plus sentimental, c'est l'Adonis euh, dans le West Island. D'accord. Pierre Fond dans l'heure des Ormeaux, parce que c'est l'original. Mmh. Tu sais, c'est là où j'ai. Classique. J'ai beaucoup de souvenirs dans ce Adonis-là. Fait que c'est l'Adonis le, le sentimental. Le, le Adonis, je trouve. Bon, le, le, le mieux réparti, c'est celui à Anjou. Euh, celui est proche du, 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 du forum, je trouve qu'il est sous-exploité. Je trouve qu'il est mal réparti. La section cantine au début est difficile c'est mal organisé un petit peu je trouve qu'il y a des lacunes as après ça celui mais, sur pire est-ce que tu potentiel ah oui oui absolument Il peut, ça, tout peut changer absolument Il faut, faut juste comme en fait le problème non le problème c'est que tu commences avec la, à, la, dans, le, dans, le, dans, le, dans tous les adonis je... oui, dans tous les adenis, la section cantine est au fond mm -hmm. là elle est au début ce qui crée des embouteillages puis beaucoup de confusion chez les profanes je comprends fait que quand es un habitué un vétéran comme moi tu sais, si tu passes à travers ça, tu prends ce que tu as à prendre. Mais c'est pas tout le monde qui est, est fort C'est pas tout comme le toi. monde. Fait que là, euh, fait que je trouve. Moi, mettons un que... neofit. C'est un vrai mot, ça, un est Un neofit, ouais, du Adonis. Un ouais. neofit, je suis tout mêlé, Oui, oui, ça se peut. Vraiment, j'en doute pas. Je suis mêlé en général. Pire, j'apprends à l'aimer, mais il est dur. Je le trouve un peu sombre. OK. Je le trouve aussi que l'offre en fromage n'est pas exceptionnelle. Ça, c'est moi. Bon. Un de mes préférés, par contre, un plaisir. coupable. Le, le, moi, je trouve que le plus spectaculaire, c'est une expérience à c'est évidemment au 10 30. Mais le plus OG, c'est celui à Laval. Lui, c'est comme un ancien Adonis. Un peu, celui d'Anjou, il, il rejoint un peu les anciens. C'est moderne celui de Laval. Oui, il, 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 pas résiste, moderne, il hein. résiste. Il à résiste à un moderne. peu. Okay. Il me fait penser à l'époque où quand j'allais à, à Pierrefonds euh, dans l'heure des Hormons. Fait Il y a plein d'adonis pour tous vos goûts. Chez sais où habites. Tu fais beaucoup de char pour aller chez Adonis. Oui, Je fais des vrais détours pour aller au Adonis. Mais quand tu réponds réponds pas à ciel, es pas ton seul, tu es peut-être en train de manger du fromage à Adonis. Non, je suis en route vers Adonis. Moi ma vie, c'est d'un Adonis à l'autre. Ad... Chaque événement, c'est un... une pause d'Adonis. Génial. Parce que je serai chez Adonis. Adonis, tu sais, c'est le soleil. Adonis c'est c'est un je ne sais pas, ça le dit. Puis, Deux Princes, c'est un nuage. Ah oui. Parce que pendant que tu es chez Deux Princes, tu ne vois pas le soleil. Non, je ne vois pas ici. le soleil. Parce qu'ils disent bien situé, toujours, toujours du stationnement, toujours comme bien pensé, toujours accessible, pour vous servir, incroyable service là-bas. Tu as des gens derrière les comptoirs. L'autre fois, il y a Monsieur Djihad, là, il M. Djihad, il m'a donné des navets là, comme… j'ai. Tu y penses encore? Ah, j'y pense encore. Puis si en les... plus, j'ai vu son potentiel parce que c'était écrit « en formation ». J'ai fait, j'ai jamais reçu des navets. Avec, lui, il n'est pas complet là, puis il est déjà au sommet de la ligue. Wow. Ouais, Monsieur Jihad. Ben, Monsieur Jihad. Genre, j'ai capoté. Puis j'étais comme, tu vois, il y, y a vraiment un, une minutie chez les employés du adonis, les baklava aussi. Ça, c'est la, la faille de celui sur Pire. Les baklava sont trop vite. Tu veux les avoir plus au, à la fin. Ok. Je trouve. Je trouve que c'est une belle note. Ouais. C'est une belle note. Ouais. C'est à considérer. Je trouve. Qu'est-ce que tu penses? Que tous les ADN sont différents, fait que c'est une expérience différente. Exactement, si ça, j'aime ça. Tous, ouais, voilà, c'est surtout si pareil. C'est pas Juste... comme, tu il y a beaucoup d'épiceries comme Maxi, mettons, pour pas la nommer, que c'est un peu tout le temps pareil, tu c'est un ouais. peu... Euh, Qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Euh, Costco, souvent pareil, uniforme, tu sais, c'est... Là-bas, là-bas, c'est... Tu visites. Il faut en parler. Je t'écoute à propos du Costco. Ouais. Mettons, tu es plus complet que ouais. Qu'est-ce que tu penses du Costco? Parce que je, je débute. Mais je pense que c'est un coup de génie incroyable des concepteurs. Je comprends. Pour vrai. Mm -hmm. je, je pense qu'ils ont compris, comme Volkswagen, quelque chose de fondamental. Mais c'est un endroit où tu peux acheter des navets et des jeans. Et des, 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 des pneus de char. Ouais. Non, mais c'est qu'ils ont compris une affaire, je trouve, qui est... Le plus important, c'est pas d'épargner de l'argent, c'est d'avoir l'impression d'épargner de l'argent. Amen. C'est ça Costco. Mm -hmm. Parce que tu sors hey, de l'argent, ça coûte ça coûtait 491. Exactement. Exactement. Ben, pour la mais peine. vu que tu as des petites de grosses boîtes qui servent normalement des restaurants, tu as ouais. l'impression de rentrer dans ton argent. Ouais. Puis je trouve que c'est ça le, le chef-d'œuvre de je... Costco. <laughs> Puis tu dis des choses du genre mais si j'ai pas acheté une TV, là, j'aurais sauvé de l'argent. Mais je sais pas qui achète des télé au Costco, mais j'imagine euh, qu'il y des a plusieurs deal. plusieurs personnes. Ben, ouais. Mais c'est ça. tu sais qu'il y a des gens c'est leur seul commerce. Ben J'invite à aller seul chez Adonis. Commerce. Non, leur seul. Puis quand on se dit, ah oh non, mais pour le vêtement, tout, vêtements, divertissement, nourriture, ah ouais. seul commerce. Ils ne jurent que par Costco. ben tant mieux pour eux. Moi, tout ce que j'adore, euh, je vais jamais au Costco. Je pas ma carte membre, j'ai un char depuis pas longtemps. Je ne vais jamais au Costco. Par contre, vivent comme ils traitent leurs employés. Les employés chez Costco ah oui, ils sont... sont... Ça, j'aime ça quand tu vois qu'il travaille là depuis 92, 94. Oui, parce que les, les conditions de travail sont ouais, exceptionnelles à Costco. Il paraît les que le CEO sont super. de Costco, là, le chef, ouais. il est parti genre en euh, là comme mm -hmm. euh, il y a 20 ans. Il a comme gradé. Il a, les il a hot dogs est... sont pas chers. Il maintient le prix de doc ouais il y a plein d'affaires comme ça. Sauf que je pense quand même que c'est. Puis j'aime, le... Je ne bon. sais pas à quel point tu t'épargnes tant que ça. Je comprends. Mais il y a un truc qui est génial c'est l'anti-syndicalisme. De position. Mais les, la meilleure manière de combattre, entre guillemets, là, je parle des grosses guillemets, le syndicalisme, traite bien tes employés. Oui. Si tu traites. Adonis, c'est exactement ça. Je ne suis pas sur syndico Costco. Je pense pas. Adonis, je ne sais pas s'ils sont syndiqués. J'en doute. Pourquoi? Ah! Mais que son euh, ils sont achetés par qui? Métro. Peut-être qu'ils sont. Ils ont été achetés par Métro. Je... Moi, j'aimais ça que ce soit le. Hey, en passant, c'est une affaire. T'sais, on a parlé à un moment donné des, des commerces à Chichitaouk dans les centres d'achat. On n'a jamais parlé. Ah oh oui, oui, oui. oui, oui. a pas longtemps. Oui, oui. En disant que c'était. Oui, c'est tout le temps, mettons, tout le temps un truc, mm -hmm. euh, c'est tout le temps. un euh, Taille Express, toujours Taille Express, ouais, il y a Burger toujours Burger King. Manchua, mais il y a le truc. Qui a jamais la même marque, ouais. c'est le Libanais. Ouais. Puis ma question, depuis ce temps-là, c'est est-ce que c'est une guerre qu'il faut célébrer puis encourager Je pense qu'il ne faut jamais célébrer les Libanais quand ils font la guerre. Jamais. Vu de même. Jamais. Mais... On les aime, les Libanais. J'adore ce, ce qu'apporte à, à -ce la culture que mondiale. Résistance. Mais, mais c'est une résistance qu'on doit encourager. C'est plus ça. Est-ce que, tu sais, mettons. Ce que Phil veut dire. Est-ce que le Hezbollah est derrière? Non, c'est les... pas... aucun <laughs> rapport. Non, je suis en train de dire, est-ce que c'est un acte de résistance à l'uniformisation? Je viens de parler du Hezbollah. L acte de résistance, très J'ai jamais parlé du Hezbollah. Ah. Est-ce que, est que, mettons, faut encourager ça? Tu sais dans le sens c'est ce qu'il faut, qu il faut... Pas les décourager, il faut quoi, il faut aller leur lancer des berlingots comme Ouais, peut-être les shamer un peu. Ouais. <rire> mais <rire> Non non, tu n'es pas, pas d'une marque toi. Non mais <laughs> on peut les laisser tranquilles les gars non, commerce, non, mais... mais ce que je veux dire c'est comme qu'est-ce qui explique ça C'est ça ma vraie question aussi. Parce que c'est systématique. Fait que je veux savoir qu'est-ce qui se passe pourquoi MTY a pas qui, qui s'occupe de la compagnie là, le groupe MTY oh, qui s'occupe de tous les food courts de plein de centres d'achat au Québec. Mais ça, c'est de l'info. J'avais aucune idée que c'est. Ça... Pourquoi ils... Parce qu'eux, ils ont Villa Madina. Là, là, beaucoup de mots que je ne connais pas. Le ils, ont, il ils ont Villa Madina qui est comme un peu Shishitaouk grec. Euh... Ce n'est pas Kojax, mais. mais... C'est drôle que tu connaisses tous ces commerces. Ben, je me suis informé. C'est génial. Puis, ils n'ont pas comme. Fait que je veux savoir ce qui se passe avec les commerces à dans les food courts de centres d'achat. Genre, ce n'est pas une joke. Ça m'intéresse. Pourquoi c'est ben, pas uniforme. Pour vrai, Pourquoi c'est pas boostant? Pourquoi c'est pas ben, charmant? Réponds pas en DM parce que je suis sûr que quelqu'un la répondu. Personne, personne m'a écrit là-dessus. tu viens de... oui, là, là te... c'est dans le futur. Là, c'est mêlant. Là, mêlant là. Parce que tu viens de le dire maintenant et là, plus tard, ça va être sur Internet. Mais ben, s'il y a quelqu'un qui veut m'écrire pour m'expliquer. Ah, à part ça, le nombre de messages qu'on soit Oh là là, tu file Lis ben, tes oui. messages. Pourquoi tu lis pas tes messages? Ben, parce que je, 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 ça me stresse. Ça me Qu'est-ce qui stresse des gens qui t'aiment, qui veulent communiquer avec toi? Ben parce qu'à un moment donné, j'ai fait des chroniques et j'ai reçu pendant presque un an des menaces. Oui. Mais là, Puis des insultes. J'entends ça. Je ben, c'est un traumatisme. Non, un, le, 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 le stigmate reste. Mais je comprends, mais tu peux Puis pas y juste. Une dire, étape à la fois. Mec, est, mais il faut t'en mais quelle, Tu fais aucune étape. Je fais l'étape de, des fois, j'y vais une fois par mois. Checker. Puis okay. là, je fais oh, OK. Mais là, il est trop tard. Fait que là, je me sens mal. Puis là, j'ai encore plus de culpabilité. Là, ça, 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 ça me garde dans... J'ai des dans... cœurs. jamais des cœurs. C'est paresseux, ça. Mais c'est encore pire ça, tu fais rien. Non, Même je des trouve cœurs. Que ça, ça crée le petit côté Citizen Kane, si je dis rien. Oui. Ah, OK, Là, il va mourir tout seul. C'est ça ce qu'on veut. C'est ça ce qu'on veut. <laughs> c'est qu'on s'imagine mourir seul. C'est ça ce qu'on désire. Et déçu de ma vie. <laughs> mm -hmm. <laughs> y a-tu quelque chose d'autre qu'on pourrait dire dans cet épisode qui est allé dans plusieurs Julien, directions. Julien, il y oh oui, j'aime les. Moi j'aime ça les. les euh... T'aimes Daisy Edgar Jones? Oui, mais je pense que j'ai juste vu Normal People. Ouais. Mais qu'est-ce que oh, t'aimes d'elle? Ouais. Ça m'intéresse. Euh, Comédienne plus d'acteur. Ouais. Sa ah, oh, franchement, personnalité, Julien! Euh, <laughs> Son air. Jeu sa personnalité? Je la connais pas, sa personnalité, mais elle a l'air d'avoir. Elle a un potentiel de personnalité intéressant. Ah, oui. mon Dieu. Euh, ça veut dire quoi, un hum... potentiel de personnalité intéressant? Ben, tu, okay, tu, quand prend. tu la vois, tu sais que la première chose que tu vois, c'est sa personnalité. Ok, puis il comme est cool, pièce ouais, tout. C'est vrai ouais. aussi pour les gens qui ont une mauvaise personnalité. Hein. Ouais, mais c'est pas le fun. C'est comme Chris Martin de Coldplay, tu le sais que c'est un tas de merde il a Pourquoi? En notre vie, il a l'air très humble. Il am est amusant. Il est laid, en tout cas. <rire> <rire> Astique, est pas beau. Oui, Parce que ce qu'on aime des autres hommes, c'est leur beauté. Ben, Des fois, oui, comme Brad Pitt. Brad ben, Pitt n'est pas juste beau. Il y a bien du monde beau, mais il y a une. Brad Pitt, il est tellement beau qu'il faut oublier que c'est un très mauvais père. Ouais, merci. C'est pas une Mais je pense qu'il y a de plus en plus de la pas, misère ouais. à le faire oublier parce qu'on ne sait pas. Ouais. Je ne Puis mais... mais... ah, avant, il n'était pas père. Fait que ouais, mais en tout cas, t'sais... Fait que là, truc, Mais toi, qu'est-ce que tu aimes d'elle? Euh, qu j'aime que, ben, que c'est un. Ah, comment dire? J'aime que quand t'es naturel, mm -hmm. c'est très difficile de savoir si c'est de l'impro ou scripté. Puis ça, c'est des affaires que j'aime beaucoup. Puis je trouve que chez beaucoup d'acteurs américains, un des problèmes, puis elle est une britannique, un des problèmes, c'est que la spontanéité, tu le sens qu'elle est C'est c'est difficile chez les les américains sont tight sont bons, sont justes, sont... moi je trouve que c'est dans les meilleurs acteurs au monde pour vrai en tout cas en, 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 au, au théâtre. Ah oh, non, je pense partout mais comme ils ont pas le petit côté spontané que tu te dis, si tu écris ou pas ça. Mais ben, on s'entend que... que elle et Paul Mescal, mais elle... Ah, ben, lui, Surtout lui, elle lui lui qu'il depuis qu a fumé avec Natalie Portman puis qu'il la fait triste, ça me fait je l'aime plus hein. Mais on ben, s'entend okay. qu'ils ont quand même carry une série. Selon moi, No People, la saison, c'était très, très bon. Puis l'histoire est très normale de base. Puis ouais. ils ont rendu ça, selon moi, par leur le livre, c'est quand même difficile. Quand même. Hein? Ouais, mais elle, en plus, elle, est comme... elle a comme un. Je sais pas. Je elle... n'ai pas, le... pas vu la série, mais Elle, elle naturelle. Dit, est naturelle. C'est ça que j'aime. C'est comme. Il y, a... il y a comme un. On dirait pas qu'elle joue, en fait. Mais dans Twister, c'est ça que j'ai pas aimé. C'est que j'ai fait. Ooh, là, il est comme dans un gros film. C'est dur être naturel quand sens... il y a... Du univers que... autour de toi qui tourne. Ouais, pis là, mais il hey, y a des moments, pour vrai, genre avec Glenn Powell. Moi, je suis en train de devenir fan de Glenn, là, en passant. Moi, mais... c'est la raison pourquoi je ne vais jamais voir ce film-là, mais elle continue. Pourquoi tu pas Glenn Powell En tête d'affiche d'un film, je ne vais pas voir ce film-là. Il n'y a aucune chance. Même aussi, j'étais comme toi. Puis ai tu pas aimé ça. Ben j'ai pas. Hein, c'est pas, pas Glenn non, le film Powell. Il n'a vraiment pas. pas aimé le film, oui, mais c'est pas, pas pas Powell tard. C'est pas à ce point-là. C'est pas Glenn Powell. C'est la Glenn... tripe de, de, de Manuel. Non, c'est qu'en fait, tu m'as refait le même film. 25 ans plus tard. Ça vrai. me parle pas. Ça vrai. fait vrai. moi pas chier. Mais, mais mettons, Gle... il y a des séquences avec Glenn Powell que j'ai trouvé vraiment bonnes. Pas de joke. Puis Glenn, il m'a é... é... épaté. puis moi, genre Glenn... C'est comme. C'est comme. En fait, ce que je trouvais, c'est tu sais quoi? C'est que Twisters. On dirait qu'il y avait le casting B, puis que le casting A, ça a été Austin Butler puis Brie Larson, genre. Ouais. Donc en fait là, ils ont pris Daisy Edgar Jones puis Glenn Powell parce que... La, la vedette de Twister, c'est les tornades, là. Pas vraiment. Non? Non. Non. Ça, mais moi, c est, c est, c est, tu vas voir le film de tornades moi, j pour le premier... les tornades. Moi, j'ai été voir Twister pour Bill Paxton en 96. Gros comédien. C'était un gros comédien. Ben, ouais. Il Fou. était immense. Mais ben, oui. Apollo 13, c'était fort. The Abyss, incroyable. Ouais. Euh, Aliens gros gars incroyable gros gars Bill Baxton ben ouais Bill il, il, il est, il est mort en 2017 ou 2016 mais euh, mais c'est ça fait en tout cas genre j je, je l'ai découvert ah oh, je la tripe quand même là, elle est bonne mais elle comme elle, elle, je trouvais puis là tu sais c'est moi qui dis ça mais je l'ai trouvé scolaire comme, dans son jeu tu veux ouais. dire dans un film de tornade non c'est un style de jeu il y en a qui vont comprendre ça Eric Bruno va comprendre ce que je veux dire <laughs> oui, par scolaire ouais. Ouais, Kim, Kim va, chez, va chez Eric, on attend. On attend 5 on, on, on attend. On attend secondes que Kim <laughs> aille chercher Eric Bruno. All right, OK. Fait, comme tu Eric. Disais, Eric, je parlais du style de jeu scolaire. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est 10 sur 10, dans le sens, il y a les. Euh, comment dire Le personnage est là, la réplique est bien envoyée, euh, la scène se construit comme. Euh, tu le sens, tous tes raccords. Mais il n'y a pas. Il a, pas... a pas la confiance qui donne la liberté et la spontanéité. J'ai l'impression que dans ces types de films-là, grand public et tout, où ce que c'est... Même pas par rapport au jeu, le, 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 Pas le principe, là, mais tu sais, le principe, c'est les tornades, ouais. J'ai l'impression que t'es un peu obligé d'aller. Le principe, c'est le tornade, man. Je dis le principe, mais, le tornade, le principe, mais le, le... voyons, l'élément principal. Que parce que les gars, ça fait cinq minutes que vous parlez d'un film minable de tornade, juste que pour faire un pas peu l'argent <laughs> Mais j'ai l'impression que t'as un peu pas le choix d'acte de même dans ces films-là. Tu peux pas t'en prendre des liberté. Non, parce que y a, y a comme... puis... t'as la méthode Glenn Powell où t'es comme cool, loose, mais tu sais, t'es es comme rigué à l'école américaine. Mm -hmm. T'es dans l'espèce de, de penser un peu. Euh, t'es dans, dans, dans le tracé un peu des, des héros de films d'action qui vont être cool, qui, qui deviennent une personnalité. Puis ouais, mais il lui manque la personnalité, je trouve. Mais on le connaît pas. Il a adopté un chien, Brisket. Moi, ça, tu sais, je trouve que c'est un plus. Mais non, en fait, Glenn Powell, <laughs> ce que j'aime. Mort le monde, Brisket. Non, Brisket, il, mord... non, il est très petit. Ce que j'aime de, de, de Glenn Powell, euh, là, les petits chiens ils mordent. Non, ce que j'aime de Glenn Powell, c'est il est en train de saisir son moment. Puis je trouve ça nice. Ça fait genre 20 ans qu'il essaye d'être acteur puis peut tête d'affiche. Là, ça arrive. Bravo, Glenn. Puis je trouve ça formidable de voir un gars qui seize the moment. Mais est-ce que toi, tu l'aimes en tant qu'acteur? Je le trouve pas mauvais. Tu as un petit projet? Euh, J'ai aimé Top Gun Maverick. J'ai capoté sur Top Gun Maverick à fond. Ah ouais, j'ai pas. eu ouais. J'ai capoté sur Top Gun Maverick. J'ai pas haï Devotion. Qu'est-ce que mais tu j penses de l'hypothèse que Top Gun qui est gay C'est évident. Ça c'est même pas. <laughs> On peut parler plus, 25 tard. Ans plus tard. 25 tard, C'est parmi de la mort de Goose. Ben que le Top Gun 2, dans le fond, au début du film, c'est un accident. Ah puis dans le fond, c'est la, la mort de. Non, c'est ça. C'est dans sa tête. C'est un fantasme. Ah, Peut-être. Para... La parce que, fanfiction. Parce que le film genre? est tellement irréaliste que ça, quand tu penses qu'il est mort au début, ah, ça se peut. Peut-être. Ben, je sais pas. Ce qui me gosse en ce moment, puis j'avais la réflexion au cinéma, c'est qu'il y a. C'est toutes des franchises, des reboots, tout, tout le cinéma d'action, à part quelques films, genre Christopher Nolan, puis tout. Il n'y a, y a plus de films d'auteur, on va dire, d'action, des as blockbusters. Puis genre, moi, ça, ça, ça moi, me gosse. Jason Télé, il, il, il était bon là-dedans. Oui. Non, mais c'est ça, ouais. mais on fait tout Jackie des... Chan. Jackie Chan. Non, mais. il, y a, il y a Ah, plus... moi, je suis prêt. S'il vous plaît, on s'engage. Si tu veux bien. Un épisode de Jackie Chan. Moi, ouais, je pas très. Il est extraordinaire. Est une légende. Il est extraordinaire. Il a renié sa fille, je pense. Parce donne... que... oh. Il a renié sa fille, je pense. Que c'est moins extraordinaire. Ouais. Tu lui donnes une échelle. Ah, Il va te faire huit ah, ouais. cascades. Ouais. Une échelle, un seau d'eau, une mop. Il y a combien de gens, tu penses, qui sont cassés quelque chose parce qu'ils ont voulu faire Jackie Chan Oh, ouais. Plein. Tu sais, oh, Jackie ouais. Chan, il serait capable, genre, de. Mettons. Glisser. Mais Jack en... Chan se blesse non, en faisant Non, non, mais euh... juste ici, là, il prend la rampe, il, 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 il court sur la rampe. Mais ça il ne fait plus grand-chose. Non, non, mais mettons, là, dans, euh, le, dans, le le dans le Bronx, il ne il, il glisserait pas, il courrait sur mm -hmm. la rampe, là, il, il kickerait 3-4 gars, il plongerait entre les marches. En pour vrai, ça c'est une cascade euh, à la Jackie Chan. Je du coup, que tu le décris, le monde, il le voit pas. c'est pas grave, imaginez ça. <laughs> mais ça pour <laughs> revenir à imaginez Daisy, Edgar Jones, qu -ce que Jackie Chan serait peut-être capable ja de. Les caméras sont pas. Jackie, sont pas Chan, pointées, mais... Jackie Chan, il était pas, scolaire. Y pas scolaire. Il avait pas un jeu scolaire. Il avait pas un bon non. niveau de jeu non. quand il ouais, se bat. pas. Ouais, à chaque fois qu'il te faisait parler, je sais, qu'est-ce que vous faites Juste On s'en se fout. C'est ça. Mais Daisy Edgar Jones, en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'elle risque d'avoir une carrière à la Brie Larson. Puis ça, c'est vraiment un plus. Mais bravo. Parce que c'est. La carrière de Brie Larson, moi, je la tripe quand même. Génial. Je Elle pense... fait souvent des films, genre, avec des personnages vraiment forts, engagés. Des fois, je trouve qu'elle pousse un peu la note. Mais, mais tu sais, il, il y a tout le temps une réflexion derrière ses choix. Puis ses personnages combien... traduisent toujours quelque chose. Ça fait combien de temps que tu penses qu'Eric Boulot est parti Le bout de je... Jackie Chan n'était plus là. Hein? <laughs> Jack Chan je pense il Eric est Eric avait... ne jamais pointé. Ah oh! Je pense que. Erreur je pense que... Erreur <laughs> Elle est très persuasive, Kim. Je dis pas ça, mais pas en secondes. Il va rester pour elle. Il l'aime. Ça a mal oui, à ses mais, enfants. Mais, mais peut-être que je veux pas. Je veux pas on n'est pas obligé de faire un deuxième épisode. <laughs> Moi, je pense à tous tous épisodes, tu parles à mal de Montréal. À tous les épisodes, on parle d'Éric Bruno. Je parle pas mal de Montréal tout le temps. Je suis critique. C'est tu dis. Ah. <laughs> J'aimais des critiques constructives. C'est pas la même chose. Je dis, l'autre fois j'ai été positif, j'ai dit bravo pour les fleurs. Oui. Tu vois, c'est bon. Oui. C'est une des belles affaires. Je pense que c'est un des moments préférés d'Éric Bruno du podcast. Oh, on arrête de parler de lui. Pourquoi C'est super. Pourquoi on peut pas parler de Dois-Lipa à place? C'est beaucoup plus drôle de parler d'Eric Bruno. Non. Parce qu'Éric Bruno, on peut le croiser et puis c'est comique. Il doit aussi. Elle est allée à Bagel viateur il y a quatre ans. Elle ne parle pas le français. On le sait pas. On le sait. Non, elle est amie avec Jacques Mus. J'ignore qui est Jacques Mus. là-dessus, sur la déception du film de Prince.